Mikael Iloijo. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas des briques ni des braques. Ce sont des brocs. Bracada. Ah, oui, oui, oui. Bon, tellement même que ça a eu, mais je sais. Tellement aussi. Ça va aller. Ça va aller. Je suis là. T'inquiète. Bonsoir, mes étoiles. Aujourd'hui, on reçoit. Et Jaurade. L'imminent. Le célébrant. Le pimpant, l'époustouflant. Seigneur Jésus. Tous les flancs. Mmh. Le général Makoso Camille. On est avec Patrick Edouard et Mimi la Blonde ce soir. Aïe, vous n'applaudissez pas pour eux. Ouais, ça va, hein. Ouais, ça va bien. Je t'ai dit. Ça va bien. Ça va changer. Vous avez changé, hein. Non. On est pas au niveau des marques. Ça dit ça. Élisée Dongui n'est pas là ce soir parce qu'il est un peu souffrant. Je vais dire, Élisée, là, si tu mens, on saura que tu as menti. En tout cas, Élisée nous a dit la COVID. Maintenant, on ne sait pas si c'est passé, c'est 24. Il ne veut pas venir au travail. Oh. Il a fait un faux papier, il nous a envoyé. Donc, Élisée, tout est entre les mains de Dieu. On n'avait qu'un homme de Dieu au Dieu. Si tu as menti, tu connais Balai. Balai va attraper ton coup. C'est moi, j'ai dit. L'émission peut commencer. C'est mon émission! Eh bien, voilà, le père, je pense que tu connais un peu les règles, hein. Non, je suis, je le vois. Carton rouge, carton jaune. Si tu fais pas bien, tu sors. Tout ça, là. C'est ton émission. Ah, c'est toi bon, qui hein? commandes. Adama. Alors, aujourd'hui, on va, parce que comme Élisée n'est pas là, on va faire le mot de la semaine. On est obligé, parce que c'est ma meilleure rubrique. Donc, le mot de la semaine, on s'en va là-bas comme ça. Un larbin. 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 Oui. Bah là, moi, il sait pas. Un larbin veut dire un domestique ou bien un serviteur. À peu près la même chose, je crois bien. La quoi? Larbin. 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 Ben, c'est pas pour. Je connais pas larbin. Pas larbin. N'ai jamais entendu, mais c'est pour vous. Un larbin. Ah, ça l'a mis maîtrise, pas on dit. Je connais pas. Je ne connais pas. Franchement. Un larbin. 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 Ce mot-là, vraiment. Tu vas vous donner les détails. Un larbin. Bon, je ne sais pas. Aujourd'hui, là, Élisée n'est pas là. Ils ont demandé un larbin. Le mot. D'accord, on va commencer. Un larbin. Comme toujours, je le dis, pour moi, un larbin, bon, quand tu demandes, par exemple, l'argent à un gars, et puis tu dis, bébé, j'ai eu l'un des fêtes, puis il est là comme ça, ben, il te regarde. Pour moi, c'est ça, un larbin. Et ça ne va pas pourquoi tu lui as demandé, en fait. Pourquoi tu as fait ça? Ah, tu as dit larbin, non? Bon, je donne un exemple. Tu demandes l'argent à quelqu'un, non? Un gars, tu dis, chérie, ah, c'est la fête, j'ai eu l'un des fêtes. Et puis il est là comme ça, ben, comme un bœuf, il te regarde. C'est un larbin. C'est un larbin. Excusez-moi, les gars,
c'est qui a mis mon oreillette là? La personne n'a qu'à venir desserrer. S'il vous plaît, j'ai besoin de quelqu'un sur le plateau pour me desserrer ça. C'est parce que j'ai dit que c'est trop pourtant qu'aujourd'hui, on veut me couper le cou. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me desserrer ça, s'il vous plaît? Papa Makoso, un larbin pour toi. C'est un boy. Un larbin, c'est un boy. Comment ça? Les boys qui sont à la maison, là. Quand ils les majordomes, là. Les majordomes, c'est ça, c'est un larbin. Ah. Le nom fait insultant. C'est-à-dire quand on était petit, on avait été changé à moi sur le larbin, là. Oh, c'est un boy, mais maintenant, on peut ajouter ça au akoto. Les gens qui suivent comme des moutons, les gens. Ils sont les mêmes. Dans le milieu des showbiz, il y a beaucoup de larbins. Oui. Beaucoup. T'as dit, tu vois même sa tête, même qui ressemble à Nyomi, c'est un larbin. Pas doué, toi, un larbin. C'est un domestique, un serviteur et tout. La version péjorative, c'est un boy. Il parle français, d'accord. La version péjorative. Pour moi, c'est pour moi là qu'il c'est les gens qui sont bien à l'école. D'accord. Bon, je pense que tout a été dit. Un larbin, c'est un serviteur. Je pense qu'on va afficher la réponse. Ouais. Un domestique. Voilà, un valet. Un valet. Serviteur domestique, valet. Voilà. Flunky. Flunky. C'est ça, on dit chez nous, c'est un boy. Flunky. Ah, c'est ça, c'est vrai. C'est la vérité. C'est ça qui est là. Ah, dama. Toi-même, faut voir. Papa Makoso. Yes, sir. Bon, t'as l'effet ton papa Makoso. Ça, c'est général. Oui, oui, oui. Avant qu'on soit à l'église. Non, non, non. Moi. Ils vont t'appeler général. D'accord. Moi, j'ai t'appelé papa parce que je ne suis pas habitué à t'appeler général. Ah, oh. Voilà. Moi-même, je sais ça. Mon père. Yes, I. Bienvenue. Ma fille. Mais on t'a attendu ici. Oui, je vois que tu gèles le mouvement. Tout le vendredi, tu c'est manges. La j'ai bien suivi le cours. Oui, tu es une bonne élève. Voilà, chef de classe. Donc, papa, on est très heureux de te recevoir ici. Franchement, oui. On attendait tellement ça. Adama. Toi-même, faut voir. Ça, c'est le père qui a ajouté ça. Ouais, c'est moi qui ai ajouté ça. Qui est Camille Makoso? Waouh, ça, c'est une question, hein? C'est-à-dire, le gars lui-même, soit il se regarde puis il se pose la question. Toi-même, tu es qui? Camille Makoso, c'est. D'abord, c'est un pasteur depuis 1999. Ça fait maintenant 22 ans de ministère. Il est aussi l'un des coachs les plus redoutables au niveau de la fille francophone. Mm-hmm. C'est-à-dire, il a la capacité de prendre quelqu'un qui est rien. Il finit de lui parler en 30 minutes. La personne est convaincue dans sa vie qu'il va réussir. En matière, quand on parle, excusez-moi pour la voix, on est dans un moment de 12 jours de jeûne. Je prêche beaucoup dans ces temps-ci. Quand on parle de stratégie, de la marmaille. Comment faire sortir le djekwe, le malakai, le lan, le jeton, le bling bling? Il faut appeler le Jack Bowen Makoso. Maintenant, quand on dit au pays de Gâté, Gâté est roi, il y a un mouvement, c'est Jésus qui va prendre cœur pour venir parler. Les gens peuvent parler, mais on attend un homme. Quand il allume sa caméra, Adama, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est Makoso, le tueur de Chris Yapi. Ça. Maintenant, en dernier lieu, c'est un homme d'affaires qui est dans le domaine de l'immobilier, des ventes de véhicules. Il est aussi agriculteur et puis il est dans le domaine du forest. Okay, voilà. D'accord. Il investit beaucoup pour gagner l'argent. C'est ça. Voilà. Vraiment, ça là, je ne sais pas si nous on peut ajouter quelque chose. Non, il s'est présenté même. Il a tout dit. Il a tout dit. Bon, le père, ici là, vraiment, tu es mon papa, mais. Vraiment. Il y a des questions, ils vont te poser. Moi, en tout cas, je ne vais pas te poser ça. Non, faut poser. Les gens n'ont pas cœur. Moi, je viens sur ces plateaux, je suis déçu. Non. Les gens ont un peu honte. Ils ont eu pour poser la question. Ça me timide. Moi, ça me choque, hein. Papa. Est-ce que tes gars, c'est des guerriers? Ils sont prêts pour toi. Est-ce que tes sûr que vos abonnés sont en train de partager j'ai la vidéo? J'ai dit, ils sont partager la vidéo, sécuriser la vidéo et les cœurs. Sécuriser le direct. Parce qu'aujourd'hui, là, on va tout gâter. Non, faut lancer un appel aux gens qui suivent là. Vous voyez. Ce petit doigt, il est très possédé. Avec ce doigt, il fait beaucoup de bêtises. Et pour le délivrer, c'est simple. Tu prends le petit doigt possédé, tu mets les cœurs. Voilà. Ça sécurise. Ensuite, tu cliques partager.
et partagez au moins 12 groupes. Tous ceux qui vont partager dans 12 groupes, vous rachetez les 12 mois d'où les sorciers vous ont mangé et le sorcier de ta famille, il meurt par correction. Yes! On s'en va au Doka comme ça. Mes étoiles, vous êtes bien dans le Ivy de Rocho sur la chaîne étoilée NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, 204 sur le bouquet, TNT numéro 4. Nous sommes suivis également sur SFR et Free. Hein? Oui, non, le vieux, on est loin. On est loin, on est loin, on est loin. Et puis on ne fait que gagner des prix. Tout à l'heure même, j'ai présenté un autre prix qu'on a gagné. SFR et Free. Oui. Oui. Dans le Bing là-bas. Je te dis, la chaîne là, c'est du loup. Mais attends, donc c'est tous les Africains n'ont plus de problème. Non, mais bien non, sûr. Ils abandonnent toutes les chaînes possédées où le diable parle. Oui, oui. Ils viennent sur la chaîne NCI où Dieu habite. Où Dieu habite. Où Dieu habite. C'est ça même. Les Doka de cette semaine. Qui a le Doka? Il faut commencer déjà. Ha, le Doka de cette semaine-là, hey. C'est lourd. Ça a failli me blesser. Ah. Quand moi-même j'ai vu ça, il dit, on peut... Coco et Lilia et son mari, Mvimba. Il y a Anguille sous roche. Mariage, on a entendu, ouin, ouin. Ils se sont mariés où même? Au Cameroun. Au Cameroun, ouais. On a entendu... quand ils ont crié « Vive les mariés », on a entendu ça encore du Brésil. Oui, oui. Mais non, on est là un coup, bah. On dit que ça là, c'est en train de se gâter. On peut se marier vite pour se séparer vite comme ça. Ça là. Donc, bon, on ne sait pas si c'est buzz. Voilà. Parce que maintenant, en fait de buzz là. C'est plus, tout le monde c'est plus. Dans la foyer, même tout le monde. Elle a retiré, elle a retiré le nom de famille de son mari sur, sur ses pages Instagram et Twitter pour laisser que son prénom Emilia. Et puis, il y a certaines photos qu'elle a retirées du monsieur. Elle a laissé juste la partie du mariage. En tout cas, une seule vidéo, celle d'une chaîne concurrente. Et tout le reste, ce sont elle, ses demoiselles d'honneur, elle-même et autres. Mais on n'a plus énormément d'images du monsieur, en tout cas, sur son profil personnel. Ah. Mais peut-être qu'elle ne veut plus l'afficher. Elle veut plus l'afficher comme nous autres là. Oui, non, elle ne veut plus l'afficher. Nous autres là, nous, on n'affiche pas. Je me rappelle d'une vidéo où on disait, on disait qu'elle devait s'appeler Biscuit de mer. Et puis elle refusait, elle disait non, qu'elle était Madame Emilia maintenant. Donc je pense qu'elle devait charger ça un peu plus sur les réseaux sociaux. Non, mais on change dans la vie là, souvent, on change. Sinon, moi, je pense que... Mais le monsieur même en question, c'est qui? Ah, on dit c'est un homme d'affaires, un politicien congolais. C'est du Congo, non? Lui, là, il dit... Non, lui... Mais pourquoi vous dites fond? C'est la bouche. Ce sont les lèvres du monsieur. Ah. Avec mais lui, c'est qui? C'est son... Comment on appelle ça? Son témoin. Le témoin de qui? Dieu. De Wemba. Du marié. Wemba. Wemba. C'est le témoin du marié qui est là. C'est le témoin du marié qui s'est exprimé. Bon, il dit pour le meilleur et le pire, à ceux qui s'engagent sur la voie du mariage, assurez-vous de comprendre... La bouche du témoin, là aussi, hein? Pneumatiquement parlant. Oh. L'émission d'aujourd'hui, là, dès... Non, mais ça veut tout dire quand tu ça dis veut, ça. Le témoin dit ça, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Elle devait supporter toute la charge du mariage, en tout cas, pour ce que j'ai lu, hein. Toute la charge du mariage et puis... Ivy, papa, d'abord, qu'est-ce que tu en penses? J'ai la chance d'abord de connaître Francis. Parce que Francis a eu quand même 3 enfants avec ma cousine. Mmh. Ah. Ah! Ça, c'est une news. C'est ton beau. C'est mon beau. Parce qu'il n'y a pas ancien beau. Non, il n'y a pas ancien beau. On a parlé, lui et moi, il y a de cela 2 jours. Quatre, 2 jours hier même, on a parlé pendant au moins longtemps. En fait, Francis, Coco Emile est fâché. Ça, il ne faut pas qu'on le nie. Depuis le mariage, quoi, ça fait 4 mois, Francis n'est pas encore arrivé, n'est pas retourné au Cameroun. Or, le problème de Francis, l'atmosphère du Cameroun, il n'aime pas trop. Tu comprends? Et elle, c'est une manière pour elle aussi de l'interpeller. On est en fait de fin d'année haute. C'est une crise de la vie. Non, il a marié, il l'a déposé là-bas, il est parti, il s'est promené. Non, il est en train de faire ses affaires en France. Ah. Voilà. C'est mais en France, là, elle peut pas partir. Comportement qu'elle est en train de dire, là, c'est même chose dans sa tête. Il est allé se promener. Mais Francis, tu n'es plus maintenant... Parce que nous, c'est comme ça, nous, les femmes, on pense au... Voilà. Tu me maries, tu me déposes là, tu t'en vas au champ. Mais quand on marie quelqu'un, tu suis ton mari où il est. Si l'enfant, il va là-bas. Ma chérie, quand tu as beaucoup d'affaires à gauche, l'autre a beaucoup d'affaires à droite. C'est tout ça. C'est ça, on dit le mariage. Ah. Ils viennent de se marier, ils sont encore jeunes, ils sont en train de comprendre ce qu'on appelle maintenant la vie de couple. Est-ce que Donc, Francis, si je me trompe, logement ce week-end doit être au Cameroun.
Mmh. Il doit être au Cameroun et autres. Lui, ça le faisait rire. Il dit, oh, mon général, laisse ça. Est-ce qu'on peut laisser Salomon? Je ne laisse pas Salomon. Voilà, et autres. Donc lui, il est sûr, il est serein. Ah, voilà, le poulet, après le poulet, il dit, mais écoute, si elle, moi, on n'est plus ensemble, elle me suit, je la suis sur Instagram et autres. Mais quand tu regardes le visage de Coco Emilia, regarde les yeux de Coco Emilia. Appelle tu sens qu'elle est fan du gars même. Mais jusqu'à enlever le nom de famille, c'est justifié par quoi, selon vous? Non, c'est une manière de l'interpeller. Toi, t'interpeller. Dis qu'elle est fâchée, quoi. Tu dis qu'elle est fâchée. Et puis même, je pense que c'était une erreur. D'accord. Elle devait rester toujours la Coco Emilia. Oui. Et ne pas associer le côté mariage à son le côté privé. À oui, côté c'est ça, c'est ça. Elle devait conserver cela. Donc ça fait en sorte que souvent, ça allait créer beaucoup de bruit, etc. Parce que nous, c'est que nous, on a entendu, là. Non, dès le départ, même, les gens n'étaient pas d'accord pour cette union. Ah bon, pourquoi? Bien sûr. Que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, y a eu les gens n'étaient pas du tout d'accord. Les gens disaient, oh non, c'est un menteur, c'est cela. Mais pourquoi après des menteurs, là, ça y est sur lui beaucoup comme ça? Parce que tout simplement, beaucoup ne connaissent pas les gens. Mmh. Ne le connaissent pas. Il était candidat à l'élection présidentielle du Congo. Mmh. C'est un homme d'affaires qui est dans le domaine du diamant et autres. Elle, ils se connaissent depuis plus de 3 ans. Tu le connais bien. Je connais Francis. Mais moi, ils m'ont fait partir à Lubumbashi, lui et puis une fille là. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment elle s'appelle là-même là? Brenda Kitoko. Elle, je ne la connais pas. Ils m'ont fait partir. Je suis partie sous l'égide de sa fondation, le monsieur Francis là. Mm-hmm. J'ai déjà échangé avec lui-même au téléphone mm-hmm. plusieurs fois. Mais mon argent là, jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont pas payé. Aïe! Il y a un crédit. Il te doit combien? Il me doit. Je ne sais même plus c'est combien de dollars. Parce que la femme, là, tellement elle ment. Il restait 4 000 ou bien 5 000 dollars. Là, elle dit il reste 1 000 dollars. Est-ce mais même la... 1 000 dollars. Maintenant, là, il faut là. Savoir dans là de la marmaille. C'est qui est sûr, même le monsieur Francis, là, lui-même, il m'a dit demain, il va me faire le virement. Demain, monsieur Francis, si vous regardez l'émission, là, moi, je vous dis en même temps les 5 000 dollars, là. Parce que. Même si c'est 1 000 dollars qui est resté là, façon ça a dit... Attends, papa. Dans paix. Attends. C'est depuis février. Elle aussi, ça son âge est trop compliqué. 1 000 dollars là. Attendez. Attendez. Elle souffre. 1 000 dollars là. On va faire février. C'était 5 000. Hein. Elle dit c'est 1 000 qui est resté. C'est pas grave. Février. Comptez, hein, moi. Mars. 2. Avril. 3. Mai. 4. Juin, 5, juillet, 6, août, 7, septembre, octobre, 9, novembre, décembre. 11 ça mois. Ça fait 11 mois. 11 mois multiplié par 1 000. Ça fait 11 000. Monsieur Francis, ça, c'est ma fille. Si vous êtes un garçon. Je reconnais ma fille. Si vous êtes un homme de parole. Mm-hmm. Parce que le nom Vemba, là, c'est pas n'importe qui porte ça. Ça, c'est clair. Dans son et petit quoi, nom, Emilia, Salomon, vous Salomon. Avez posé aussi, là, c'est pas n'importe qui, c'est oui. La camarade d'Emma Louès. Mm-hmm. C'est leur groupe, là. Faut me donner 11 000 dollars. Et je vais laisser. Parce que si tu me donnes pas, là. Hé, hé. Moi, mon affaire, là. Hé, hé. Papa, aussi, elle a ton école. Comme c'est ton beau, là. C'est... Il faut lui dire. Non, je vais lui dire, tu es ma fille. Tu n'as pas reçu l'argent, effectivement. Non, j'ai 5 ans. Effectivement. Non, j'allais suivre de la maison, tu connais le travail. Parce qu'eux, ils ont des atours. Nous, oui, on oui. Se cherche. Ah. C'est ça. Nous, aussi, on veut devenir coco. Wow. C'est ce qui s'est passé. Nous, aussi, on veut devenir coco. L'homme va nous boire aussi. Ah, donc, tu nous as donné la vraie version. Mm. Parce que nous-mêmes, moi, j'ai eu peur. Il dit, c'est main. Parce que vous voyez, nous, les stars, là. Et ça, avant, il m'a même allé faire émission. Les femmes d'ici, on dit, ils ont failli se frapper là-bas. Dans l'affaire des mariages des stars. C'est pour dire, voyez ça. À cause on les marie pas. À cause de ça, on les marie pas. Oh, c'est pas parce que. C'est pas ça. On veut pas se marier. C'est parce qu'on a peur de tomber sur. Parce qu'il y a des gens aussi, ils ont tous leurs millions là, mais ils viennent se coller à nous à cause de notre notoriété. Ah, c'est ça. Pour hein. pouvoir rencontrer des personnalités, on a vu ça. Moi, je connais cette affaire. Je connais ça. Des hommes politiques, ambassadeurs, qui se sont collés aux petites influenceuses là. Pour pouvoir rencontrer des personnalités. Donc, c'est commun. C'est tout ça, on appelle quoi? La maramaille. Donc, comme ça, le pays même est marmaillé, tout le monde est marmaillé. On est dedans et puis on s'en va comme ça là-bas. D'autres sont dedans, mais ils font semblant de ne pas être dedans. C'est ça. À chacun, c'est Patrick Edouard. C'est pas bien. Patrick Edouard, c'est un loup marmaillé. Oui, oui, oui. Mon ami, regardez sur ce plateau là, on dirait. Papa. Oui.
dis-nous, parle-nous un peu de ton ministère. Parce que les gens disent que tu n'es pas pasteur, tu es pasteur, tu es homme d'affaires, tu es blogueur. On ne sait plus. Non, en fait, ça dépend. Hein. Quand tu dis les gens, ça dépend d'abord de qui. Mais la fille qui m'a maquillée là, aujourd'hui là, on dit elle m'a maquillée tout rouge, j'enlève les sur mes dents. Ah chérie, tu m'as maquillée fort, hein. Papa. Lorsque le général entre dans le cadre du ministère, il devient comme un monstre. C'est une autre personne et autre. Moi, je prends un exemple simple. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je ne connais aucun pasteur qui en direct peut dire aux gens, mettez la main là, vous avez mal. Je déclare que vous êtes guéri, vérifiez. Et les personnes t'appellent de tout part pour dire, j'avais telle maladie, j'ai été guéri, j'étais tel. Je n'en connais pas. Ça, c'est ma spécialité. Le ministère de la guérison. À travers la caméra. Que ce soit au travers des réseaux sociaux, qu'ils soient. Mais là, lorsqu'on est dans une convention, là, ça devient plus galant. On vient de finir la convention de Paris, oui, avec près de 1000 personnes et autres qui étaient rassemblées. Mm-hmm. Tu connais très peu d'hommes de Dieu qui quittent la Côte d'Ivoire, qui arrivent en France en plein Covid et qui sont capables de rassembler plus de 1000 personnes. Ça, c'est la deuxième dimension du général Camille Makosso. Je ne suis pas un homme d'église. Il y a deux types d'hommes de Dieu. Il y a des éleveurs et il y a des chasseurs. Les chasseurs sont ceux qui vont beaucoup plus dans les croisades, tels que, je pourrais le dire, Maurice Cerullo, tels que Tommy Osborne, tels que Rena Bonke et autres. Et puis il y a des éleveurs qui sont des très grands bergers et autres, tels que Mohamed Sanogo, Ivan Castanoun et autres. L'archevêque Kodja Givin Saint et autres qui savent très bien encadrer au niveau des églises. Donc c'est deux ministères totalement différents. Il y a des chasseurs et il y a des éleveurs. Je fais partie de la race des chasseurs. Vraiment. Tu vas chasser les âmes. Donc, quand je suis sur les réseaux sociaux, même quand tu me vois parler d'un buzz, c'est toute une stratégie de la chasse. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, j'arrive dans n'importe quel milieu. Tu veux pas, les gens seront automatiquement prêts à prendre des photos, ils veulent écouter le général et autres. Et je profite en même temps de cette notoriété pour présenter maintenant Christ. C'est pour ça, dans tous mes directs, tu verras que toutes les personnes qui ont un problème, amenez-moi un message sur mon WhatsApp, 00225 07 48 79 85 85. Quand je t'envoie la prière, fais-moi confiance. Même si tu appartiens à une autre religion, tu es devenu mon fils comme ça. Donc, à travers ton ministère... Est-ce que tout de suite, tu n'as pas vu une marmaille? Non, là, la main, ça m'a J'ai donné mon WhatsApp. Oui, j'ai vu Donc, dedans. À même temps, on commence à m'écrire. C'est ça. Oh là Non, moi, mais j'ai vu dedans. Mais le général, Mimi, oui. Tu as quelque chose à... Bon, moi, on doit parler. Hein. On parle. Parce que moi, on a dit que le général... En fait, excusez-moi, le général Mimi, elle, ces questions qu'elle pose, tu as l'impression que ce n'est pas des questions. Non, elle me fait penser au perroquet, donc je vois derrière l'esprit. Voilà. Ça peut aller. Oui. Non, le perroquet, voilà. Voilà, moi, le général, moi, on m'a dit que dans la vraie vie, vous êtes quelqu'un de très timide. Que même pour faire votre direct, là, vous chassez tout le monde, vous vous enfermez dans votre bureau, là, et puis vous faites votre direct. Mais il y a un truc qui, peut-être que les gens ne comprennent pas. Nous, on a déjà compris ça. C'est souvent dans votre direct, la vulgarité, un peu les gros mots grossiers, là. D'autres vous jugent. Même dans la religion, dans la communauté chrétienne, les gens disent, oh, celui-là, il est trop vulgaire. On ne peut pas associer Christ à ça. Comment vous vivez ça? En fait, les gens sont nés avec un esprit de maudia. Les gens pensent qu'on est né pasteur. Moi, c'est un ancien vagabond, hein, ma chérie. Dieu m'a vu dans mon vagabondage. Il m'a dit, Makosso, viens. Au pays des gâtés, c'est gâté qui est roi. Facebook, c'est pas église. Ah. On est dans une affaire où à l'église, vous partez au tribunal. Le plus grand taux de divorce, ce sont les chrétiens. C'est ça. À cause du quoi? Le manque de la connaissance dans le maploli. C'est ça. Il faut Makosso. Vous avez compris. Pour venir enseigner, déjà les esprits, pour montrer qu'après prière, l'argent, la chose qui est plus doux au monde là, c'est ça. Voilà. Tu dis ça, les gens coincés, les chrétiens de 1984, oui, au temps de Jésus là. S'est levé. Ça, c'est un vieux esprit. Ils sont bizarres. Donc, ils sont toujours coincés. Mais même te faire une confidence.
Jésus s'est levé. Satan terrassé. Ça, c'est des chants de 1982. Faites-moi, ça prend plus. Il vit. Il y a cassement de papeaux. On est en Turquie. Allez. Avec des pasteurs. L'État nous a envoyé pour aller voir. Aïe. Faut te concentrer. Aïe. Chacun pour le. Je vais entendre parler. Jésus s'est levé. Satan terrassé. Alléluia. Jésus s'est levé. Les tandis qui vont. Les tandis qui chantent ça là. Elle est pagne là. Elles sont attachées. Les elles ont une façon d'attacher leur tête là. À l'église, elles sont comme ça. T'as fait. Ouh. Là, il ne veut pas laisser ça. On avait une tandis comme ça, la tandis mémé. La tandis mémé. Jamais oublié. Jésus s'est levé. C'est vrai, la tandis comme ça. J'ai une seule face. Oui, c'est comme ça. Et puis quand tu vas maintenant dans d'autres églises, elles ont une longue ruche, une longue jupe. En d'autres temps de tourner à Benja. J'ai dit, c'est ça, mais... Elle se fout ici, comme ça. Elle se fout, comme ça. J'ai été dit, un t-shirt blanc, jupe noire. Oui, elle avec foulard. Elle parlait la cour de l'église. Foulard, maintenant, la voici, maintenant. Voilà. Elle sourit. Voilà. La tante de l'œil. On se connaît. Il faut un homme comme Makoso, dont la bouche n'est pas convertie. Pour dire haut. Pour dire haut ce que tout le monde dit bas. Effectivement. C'est quand il vient dedans, il dit non, il est vulgaire. Et ils savent que c'est la vérité. Mais ils font genre. Donc, affaire d'Alléluia, amen. Ce n'est pas une affaire de ce que les hommes pensent. C'est une affaire de ce que Dieu pense. Sinon, pas point de paradis, là. Personne ne va aller là-bas. On se connaît. Comme musicalement, il y a tout son gars. Elles ont jugé Makoso. Arrêtez ça un peu. Vrai. Voilà. Tu as compris ça, c'est bon. Eh bien, le général, il y a aussi la Libye. Nous avons en direct en ce moment le président de la Libye. Ah. Monsieur Yaka Yaka qui est là, qui est présent, qui est avec nous. Alors, mon chéri, mon coco d'amour. Comment tu vas? Coucou, mon amour, je vais très bien. Merci toi-même. Alhamdoulilah, ça va. On dit quoi? Alors, dis-moi, quelles sont les nouvelles? On dit quoi à Paname là-bas? Ah, on est là avec le froid, le temps pluvieux, il pleut, il fait froid. Qui est Yaka Yaka pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ben, Yaka Yaka de Paris, c'est... Voilà, je suis à l'état civil, monsieur Aboubakar. Voilà. Petit Dula. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Les gens me connaissent par rapport à mon nom Yaka Yaka, donc voilà. Mm-hmm. Donc tu es influenceur, blogueur. Voilà. Je suis blogueur, influenceur, voilà, acteur des réseaux sociaux parce qu'il m'arrive de temps en temps de faire des petites vidéos de rigolade. Si. Donc voilà. Et président de la Libye. De la Libye, exactement. Parle-nous un peu de la Libye. Ben, la Libye, c'est la ligue des blogueurs, influenceurs et acteurs des réseaux sociaux que nous avons mis en place. Voilà, vous savez, au sein de la Libye, on est plusieurs blogueurs très connus sur la toile. Donc, nous avons décidé comme ça, ensemble, de mettre notre notoriété au service de la population à travers des œuvres caritatives, quoi. D'accord. Donc voilà un peu. Et donc tu es le président, c'est ça? Exactement. Et le président d'honneur, c'est qui? C'est le général Camille Makoso qui est en train de faire Et je pense qu'hier ou avant-hier, vous avez fait un app de Noël. Vous avez offert un app de Noël aux enfants? Exactement. Déjà le 5 décembre, nous avons fait des dons à Paris aux personnes vulnérables. Voilà, aux personnes qui sont dans le besoin, avec le général Camille Makoso même qui était avec nous ici à Paris. Mmh. Et voilà, nous avons offert des couettes, aussi la bouffe à boire et tout ça, aux personnes qui sont encore en attente de leur bonheur. Parce que je dis en attente parce que chaque chose en son temps. Voilà, nous qui sommes bénis aujourd'hui, nous n'avons rien donné à Dieu pour être bénis aujourd'hui. Et eux qui dorment encore dans les rues, n'ont rien fait au bon Dieu pour mériter cela. Donc, je suppose qu'ils sont en attente, comme les arbres de la forêt qui ne produisent pas à la même saison. Voilà. Donc, le 23 décembre aussi, nous avons fait un arbre de Noël au niveau d'Abobo avec notre trésorière Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Lolo Beauté, qui est la sœur
du général Makosso. La sœur du général Camille Makosso, exactement. Ouais. D'accord. Eh bien, mon chéri, nous, on te fait de gros bisous. On a été très heureux de t'avoir. Ben, merci. Et on se dit à très bientôt à Paris. Je serai là très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Papa, un petit mot sur l'appel de ton frère Yaka Yaka de Paris. Oh ouais, c'est touchant. Yaka Yaka, c'est... D'abord, quand vous ne connaissez pas les gens vrais, vous avez toutes sortes d'images. Yaka Yaka, moi, je le voyais comme quelqu'un de vulgaire, de méchant, d'insulteur. Et puis quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai vu un responsable. Yaka Yaka, c'est un monsieur. Quelqu'un qui a sa maison, qui a sa voiture, qui est chauffeur de bus et de métro. On ne confie pas la vie de quelqu'un en Europe pour à n'importe qui. Pour être chauffeur de bus, tu passes par plusieurs tests. On voit si tu n'es pas un peu malade mental et autre. Donc, c'est un monsieur. J'ai découvert un homme vrai. Un homme, une fois qu'il t'aime, il t'aime. C'est ça. Et puis, lui et certains autres blogueurs, tels que Aya Robert et autres, ont eu la chance d'assister à une de mes conventions. Ils sont venus dans mon monde. Mais j'entendais seulement une seule parole. Joe, général, tu n'es pas notre ami. Tu n'es pas notre ami. Tu n'es pas notre ami. Parce que lorsque tu rencontres le général dans son monde d'homme de Dieu, c'est différent. Tu vois des ambassadeurs, des diplomates et autres qui sont mes enfants spirituels. C'est pas n'importe qui. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de vrai. Et lorsqu'on faisait son élection, c'était moi qui avais la dernière voix pour voter. Et j'ai regardé entre lui et puis Lawson Créa. J'ai dit, je vote Yaka Yaka. Et j'ai pas eu tort. Aujourd'hui, la Ligue avance. Franchement, la Ligue avance. Ouais. Et moi, je suis très contente par rapport aux actions caritatives. Surtout. C'est très, très, très important d'utiliser la notoriété pour les personnes vulnérables, comme il a dit. Et je pense qu'on va revenir, on va en reparler. Mais on s'en va à la pub comme ça. On s'en va là-bas comme ça. Alors, mes étoiles, vous êtes bien dans le Yves de Rochaud. Ça se passe ici et nulle part ailleurs sur NCI, la chaîne étoilée, le bouquet 204, la TNT 04, SFR Free. Ça chauffe pas. Bim. Hey! Je vous dis que NCI, c'est la meilleure chaîne. Meilleure chaîne 2021. Ah, ah, c'est que le B. C'est que le B. Ah, regardez. Je vous dis que moi, il vit de rôle. Dieu ne me met pas dans les conneries, dans les fribabioles. Quand Dieu me met quelque part, là, on s'en va. Voilà trophée encore aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui, oui. Ivoire Elite Awards Distinction, Elite Meilleure Télévision Ivoirienne de l'année 2021. Voilà. Attention, voilà. Attention. Ça, c'était la dernière fois. Vous avez vu ça, les awards des entreprises. Vous avez vu ça la semaine dernière. Ton rôle de Ropé, là, c'est doux. Oui, hein? Je dois faire mon travail. Ivoire Elite Award Distinction, Elite Meilleur Journaliste Ivoirien de l'année 2021, c'est chez nous. Ali Diarra Souba, celui qui me prend toujours son oreillette, toujours je vous dis, son oreillette me flotte là. Il a eu Meilleur Journaliste de Côte d'Ivoire. C'est grâce à moi. Il est béni, hein, mon oreille. C'est à travers mon oreille, bénédiction de mon oreille, il a eu ça. Ali. Ça, là, je bloque ça. Allez, Diarra Souba. Je mets ça dans mon salon. Et j'ai toujours ça me flotte. Nous, on aime sa voix. Il a une grosse voix. Donc, c'est pour vous dire que l'année prochaine, meilleure animatrice. C'est toi. C'est moi. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis qu'NCI, c'est la chaîne étoilée. Ralliez-vous. Oh. Ralliez-vous. Ralliez-vous. C'est qui, si vous voulez, vous ne voulez pas, vous allez vous rallier. Le père. Oui. Bon. Moi, ma question, elle fait. Ah oui, mais il va parler de ça. Je crois pas. Moi, je voulais poser une question. Le temps, tu tournes là. Tu as pris la parole générale, mais moi, il n'y avait pas de question. Parlez-vous toutes. Okay, c'est pas lui, le pasteur Zahou était ici, posait les questions. Je t'ai dit. Maintenant, tu es venu là. Tu le guettes. Non, je ne vais pas vous parler. Pardon, parle là-bas. On te guette. Non, moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je respecte le fait que vous soyez un showman spirituel. C'est comme ça que j'appelle. Parce qu'on ne peut pas être pasteur de la même manière. Ou en tout cas, on ne peut pas parler de Dieu de la même manière. Vous avez votre façon de faire. Moi, mon problème par rapport à votre façon de faire, c'est la partie de, comme on dit,
faire des directs pour parler d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ce qui est spirituel à vous. C'est-à-dire que vous avez votre manière de donner des conseils en matière de sexualité, en matière de rapports humains, etc. Mais quand je vous vois en train de parler, de rentrer dans tout ce qui est buzz ici à Abidjan, je me pose la question, qu'est-ce que vous voulez montrer? Est-ce que c'est une manière pour vous d'attirer du monde? Parce que depuis 1999, on est maintenant en 2021, bientôt 2022. On a une grande partie de votre carrière où on ne vous a pas connu. On vous a connu maintenant, on va dire que ça fait pratiquement 5 ans à peu près qu'on vous connaît, véritablement sur les réseaux sociaux, je précise. Abidjan depuis quand? Depuis un bon nombre d'années. Il n'est pas sérieux, hein, le gars. Hein. Bon, depuis combien de temps la vous connaissez? La foutaise même encore. Hein. Aïe! Depuis combien de temps vous connaissez? Non, mais depuis combien de temps? Depuis 1999 à maintenant 2021, uh-huh. Depuis combien de temps on vous connaît en tant qu'homme de Dieu? 2005. Meilleur. Quand tu regardes sur l'échiquier national, avant que Facebook ne vienne, uh-huh. Meilleur parleur sur télévision, d'annonce. C'est Camille Makosso. Le midi, là. Aïe! Évangélisation de 3 ans! C'est vrai. Camille Makosso. Le midi, là. Le midi, OK. Il y a moins bien au coup de JJ. Okay. Quand il passe 3 minutes seulement, maman brille ma mite au feu. Mais à quel moment vous avez décidé d'utiliser les buzz pour pouvoir attirer un peu plus d'intérêt sur c'est vous? C'est encore de loge. J'ai un enfant et sa calvitie. Il y a tant à boire, tout quoi, à Bassam. D'accord. Il va mettre sur sa page que mon Marco se dit Dieu m'avait déjà révélé ça. Oh, j'ai jamais dit ça. Ok. 1 million d'injures. On m'insulte jusqu'à des ministres m'appellent. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hey, elle dit à quoi? Elle n'est même pas fait. On dit, mais tu es sur les réseaux sociaux, on dit, tu as donné revient. Quelle révélation? Je vais, je regarde, je suis dépassé. Donc j'ai compris qu'il y a un instrument là. Hey. Si je ne suis pas là-bas, c'est pas bon. Je perds en paix. Donc moi-même, j'ai commencé à rentrer là-bas un peu par des petites vidéos. Je regarde une vidéo, comment elle fait. Je regarde Rafat, comment il parle. Il dit, ah, c'est quoi on fait? Il n'y a pas de rat. Qu'est-ce mis ma tête là-bas, glou. 2 millions d'abonnés, mais elle dit OK, maintenant la mamaille peut commencer. Non, ce qui te dérange, il faut expliquer. Mm-hmm. Qu'il rentre dans les buzz, c'est quel buzz il faut parler. Faut être courageux. Je champion. Ce n'est pas une question. Ta main, ça a été un mouchi. Ce n'est pas une question de courage ou non. C'est bon, il y a plein de buzz. Il y a le buzz de, comment on appelle ça? On va dire Apuchou, par exemple. Non, je ne veux pas qu'on parle de ça ici. OK, d'accord. Non, moi, je veux. Non, moi, je ne veux pas. Non, il veut parler. Non, papa, non. Moi, je ne permets pas ça sur bon, mon émission. Bon, je t'ai dit pourquoi. C'est mon émission. C'est toi qui commande. J'ai dit non. Ta fille te dit non. Moi, je sais. Voilà. Okay. Donc, et non, c'est non. Voilà. D'accord. Ok, on respecte. Quelqu'un d'autre. Bon, moi, tu sais, en fait, non, je ne les laisse pas. Il y a des buzz où souvent j'ai monté que je suis champion. D'accord. Tu comprends, non? Ok. Il y a des buzz où, par exemple, toi, tu fais 15 000 vues. D'accord. Tu penses que tu es un dur. Ok. Quand moi, je viens, j'ai des gens, pas 35 000 cas, tu es couché. Voilà. Donc, okay. Souvent, j'ai couché des gens. D'accord. Donc, je montre qu'en matière de stratégie, là, c'est Camille Makosso. Mais pour vous. Allez-y. Donc, souvent, là, c'est important, les records. C'est important. C'est de Facebook, là. Il y a palmarès dedans, hein. Actuellement, là, on dit non, Emmanuel Keïta a fait 37 000 cas. Mais les gens oublient que Debordo a fait 41 000. Okay. Et quand il dit qu'il a fait 45 000, dans l'annonce du deuil de ma femme, dit non, comme c'est une affaire de décès, on va parler de ça. Ah, donc quand c'est une affaire de gourmet, on doit parler. Mais c'est 35 000 cas, là, c'est gourmet. Donc, il y a des légendes. Tu comprends? Donc souvent, tu peux parler de Dieu, de certains effets de la société, mais il y a des buzz quand ça vient. Une fois que tu n'es pas dessus, tes statistiques au niveau de Facebook commencent à baisser. D'accord. Tu comprends? Et puis Facebook souvent fait en sorte que ta page n'est pas trop vue. Donc tu es obligé d'être souvent actif. Mais avec la maturité, quand tu deviens une légende, il y a des petits débats de quartier dans lesquels tu ne rentres plus. Donc je vous ai écouté. Je vous ai écouté. D'accord. J'ai pris en compte vos griefs. Et j'ai décidé de ne plus tomber dans les petits esprits de quartier qu'on appelle Anoumangré. Oh, Anoumangré. Eh bien, moi, j'ai une question. Envoyez. Moi, j'ai une question. Voilà. C'est. Pourquoi ton ventre est gros comme ça? Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est le nouveau modèle. Oui, ça ne peut pas me déstabiliser. Passez la question.
Oui. Je dis, oui. Oui. Je vais démissionner. Belle enfant d'Aboudou, papa, je comprends pas. Tu vas me donner le thé, casser ça. Laisse, attendez. Pose ta question, pose ta question. Bon, je pose ma question. C'est la position de la grenouille qui casse ça. Oui. Yves, laisse-moi faire mon travail. Mais il faut parler. OK. J'ai une question. Mais c'est la robe, c'est par rapport aux femmes. Robes comme ça. Est-ce que les femmes ne vous fatiguent pas trop? Non, t'as dit, attends, non, laissez-moi finir. Et puis, pour conclure, là, j'ai un truc à dire à la fille, la gabonaise, la créole. Nous qui tous, ça, là, hein? Créole. 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 Ouais. Ouais, montre mes doigts ici. Tu as vu bague? Il n'y a pas bague. Laisse-moi, général, en paix. Parce que nous-mêmes, là, moi-même, là. Voilà. Moi-même, là. Et si c'est guette. Voilà. Moi-même, là. Moi-même, je vois que les amortisseurs sont en pile. Bien. Ah, il a son nom de bouche. Il a dit quoi? Bon, même, c'est encore non, bon. Non, je vois, je vois. Voilà. Je vois. Donc, Créole, les amortisseurs. Tu faut laisser tomber. Oh, laisse Créole, elle fait un enfant, on ne connaît pas qui est le père. Là, ça arrive là-bas. Elle te dit. Dans un jour, là. Elle veut mettre l'enfant là sur moi ici, pas le père de cet enfant-là. Ah bon. Maintenant, est-ce que les femmes me fatiguent? Ça dépend. Ma chérie, est-ce qu'ils sont pâles? On parle vrai. Oui, mais on ne dit pas de grossièreté. On ne dit pas de grossièreté. Voilà. Chérie, coucou. Il est trop mangé, femme. On est quand même fait d'Alléluia à côté. Mm-hmm. Je suis un ancien bandit. Et l'histoire de Sarah Misson, papa. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que vous êtes. Bon. Vous êtes exprimé dessus, mais on ne doit rien dire. On va passer. Aïe. Mais ah, non, ça, on ne va pas parler ça, quoi, Yves. Non, bon, papa, Yves. Nous voulons la vérité. Bon, à toi, ma fille, je peux te donner l'exclusivité. Oui. Dans une période de ma vie. Uh-huh. Aux environs de 2019, j'ai tenté un divorce avec ma femme, maman Tatiana, là, parce qu'elle disait faire business. D'accord. Moi, il dit, faut pas faire affaire, parce qu'une fois que tu as fait affaire, je me suis retrouvé en prison. On nous a volé plus de 180 millions. Maman, wow. Pardon, Dieu nous a bénis, il y a l'argent. Une donction, là, ça nous a donné l'argent. Maman, laisse affaire de business, mangeons. Elle dit, non, elle veut faire affaire. Elle dit, bon, si tu fais affaire, moi, il divorce. C'est dans cette période de faiblesse qu'un petit gibier est venu dans mes bras en disant tu es l'amour de ma vie. J'ai goûté le gibier. Que le Seigneur, que le Seigneur ait pitié de mon âme, pauvre pécheur que je suis. Yvie, ma fille, je te l'ai jamais dit. Mais il y a des gibiers quand ils viennent. Tu ne peux pas chasser comme ça. Il vient de péter. J'ai dit que je suis dépassé. Non, Yvie, assieds-toi, ma fille. C'est le passé. Non, c'est le passé. Mais comment vous êtes séparés? Mais c'est le papa, pardon, tu as cassé dans mon émission. Non, en fait... C'est ça qui quand me quand fait... Quand c'est passé... Mm-hmm. Mais attendez... Tu comprends, non? Attends, il va t'aider. Mais puis, c'est pas moi... C'est, faut pas aussi être... Faut pas y dire des choses... Ne soyons pas vulgaires. Faut pas... Ils vont censurer aussi, l'émission. Ils vont peut-être aussi intéressant. Toucher l'honorabilité de la fille. D'accord. Okay. Voilà. Elle m'a contacté, elle m'a dit qu'elle m'aime beaucoup. D'accord. Tu vois, non? Et puis, bon... Toi, c'est un mouvement. Oui, on a compris. Papi, tout le magnifique n'est pas convaincu. Moi, j'ai cherché à maigrir aussi. Mon cœur... Mon cœur bat. On a essayé. Je constate que c'est là qu'il y a un fait qui m'a amené à me dire non, tu vas aller loin. Voilà. Bon. Si c'est encore de ça là, les gens disent, Makoso, tu ne peux plus pour moi quitter mon église. Voilà. Voilà. C'est... Un gibier. Tant qu'il y a la femme de ça. La chair est faible. L'homme de Dieu peut être tenté. Oui. Donc ça veut dire que la chair est faible. Même dit sept fois, mon serviteur de Dieu peut être tenté. Dieu me veut qu'il tombe. Il dit sept fois, il tombera. Tomber. Mais tu es tombé combien de fois, papa? Bon. Là, ça fait combien de fois? Je pense que deux fois. Ah, il te reste encore cinq. Mais il faut dire une chose. Il faut dire une chose. C'est une fille bien. Il y a une des chroniqueuses, j'ai vu sur les réseaux, que tu as eu des altercations avec une chroniqueuse d'une chaîne là, dans une émission là. C'est dû à quoi? Là-bas aussi,
Tu as tombé? Non! Non, il ne faut pas faire les choses comme ça. Tombe pas. Tombe pas comme ça. Cette fois, tombe donc, là. Je suis bien tombé. Bien. Voilà. Ah, d'accord. Okay. C'est pour ça, une fille, celui qui est tombé là, elle ne peut jamais venir dire que le monsieur ne connaît pas son travail. Ah, non. Voilà. Ça. Mais donc, elle, son histoire. Non, en fait, son histoire, c'est toi. Hein? Non, il ne faut pas toujours aussi les étonner. Toi, tu m'as créé trop de problèmes en tant que ma fille, vous êtes tous mes enfants. Mais elle, elle était au courant de Big Bleu. Sarah Messana, elle était informée. Oh. Oui. Je ne me cache pas mes choses. Je l'ai appelée, elle dit, ah, voici le mouvement. Elle m'a dit, enlève ton pied. Parce que entre les deux, ça n'allait pas aussi. Oui, ça n'allait pas. Il y avait une aussi. Jalousie là. Voilà. Est-ce que ce n'était pas par rapport à toi? Non, c'est pas, non, non, c'est pas par rapport à moi. Pas tout toi, tu comprends un peu. Non, non, tout non, c'est pas on comprend, on comprend. Tout est codé. Mais, tout est codé. Quand tu as eu ton histoire avec Femme Babu, j'ai pris position et je n'ai pas aimé qu'elle m'envoie un message pour me demander d'être neutre. Je n'ai pas aimé. Parce que je lui ai dit, quand une affaire te concerne, je prends position. Dans l'histoire de Ténor, j'ai pris position. Marie qui a eu mort d'homme. Donc je ne veux pas que dans mon histoire, quand je me positionne, que quelqu'un vienne me dire non, ne prends pas position, reste neutre pour ne pas avoir honte. Et c'était très... Ça, j'ai permis. Pour ne pas avoir honte. Oui, pour ne pas avoir honte. Donc elle, elle était là. Quelle affaire non, de Non, c'est affaire de péché aujourd'hui, là. C'est une affaire de tribunal. Péché, je vais dire. Casse les papous. Donc, c'est ce qu'elle a dit. Donc, toi, s'il confesse tes péchés, il dit. Donc, c'est ce qu'elle a dit. Casse les papous. Casse les papous. On me dit, il ne faut pas y avoir non, honte. Non, non, non. Donc, c'est ce qu'elle a dit. Elle m'a dit ça. Ah, d'accord. Et je lui ai dit de si ne pas se mêler de la ça. La honte, là. La honte, là. Ouais. Si quelqu'un doit avoir honte, ça veut dire que si demain, honte même, secret doit sortir de honte. Honte. De honte, là. Honte même. Voici les mains. Aujourd'hui, à la naissance du Christ, mon nom n'a pas sorti dedans. Ah bon? Mais! Parce que Yves, j'ai appris qu'on peut demander à Ruby comédienne et à Tata Oscarine ce qui a fait qu'elles ont voulu se battre au Congo-Brazzaville. Qui a breaké Tata Oscarine et puis Tata Oscarine a refusé, puis c'est devenu palable là-bas. Et Yves Dero a séparé. Ah, si, il y a la pub ou bien on n'a qu'à changer de question. Non, Yves, tu as commencé quelque non, chose. Non, non, terminé. C'est doux. Non, tu as commencé quelque j'ai chose. J'ai fini comme ça. Oh. Voici les mains de Luc Pardo. Je vais comme ça et on va regarder. Je vous dis que Yves Dero, là, mon gros ventre, c'est rempli de secrets. Mais je suis arrivé à un niveau de ma vie qui fait que je n'aime pas humilier et mettre et les gens en pâture. Bureau, donc, je oui, garde c'est beaucoup c'est de secrets. J'ai dit le jour où moi, je me lève pour parler. Toi, papa, tu sais. Vous allez changer de place. Marcoso va prendre ta place. Toi, tu vas venir ici. Je sais que tu sais beaucoup de choses. Ah, tu es en train de partir là. C'est des nouveautés que tu es en train de faire sortir. Ah, c'est ça. Et ce papa là, tu sais où tout le monde s'assoit. Oui, oui. Pour non, décortiquer. On va décortiquer ça. Tu sois mais ça, je t'avais déjà expliqué. Tu m'as pas bien bossé. Ah, sinon, dis que c'est non. Codé. S'il vous plaît, laissez-nous comme ça. Donc, on évolue. Ah, allons-y. Toi, tu avais une autre question. Non, j'ai plus de questions. Là, c'est l'émission chauffe. C'est l'émission. Non, l'émission, la meilleure émission actuellement. En Côte d'Ivoire. Ça chauffe pas. Laissez côté humilité, là. La meilleure émission actuellement. Toutes les chaînes confondues. Est-ce que tes étoiles partagent la vidéo? Non, les étoiles partagent. C'est le Yves Dero Show. Et là, maintenant, on s'en va à la Fashion Police. On s'en va là-bas comme ça. Ah! Patrick, allons-y. Allons vivre, paye. On va. J'ai l'onction, là. J'ai fait sortir un papier. On va commencer avec le premier flop de la semaine qui est Baby Philippe, qui a porté une tenue. Je pense qu'on va montrer ça à l'écran. Adama. Voilà. Bon, pour. Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais en même temps un petit coup de mode. Cette couleur-là, ce n'est pas du vert militaire, mais on appelle ça du kaki, en fait. C'est du kaki, oui. Voilà. Donc, il a. On va mais dire c'est le pied de qui s'envole à côté, là-bas. C'est Beno. Beno même, il ne se connaît pas. Hein. Donc, il a essayé quelque chose qui, malheureusement, ne convient pas. C'est trop... Je sais pas, il y a c'est pas vlagada. De... C'est vlagada, vraiment. Donc, c'est un flop pour moi. Mon frère Baby, moi, je ne peux rien dire. C'est mon frère. OK, le prochain, on va aller sur Richard Brown. Bon, non, pardon, Fally Ipupa d'abord. Donc, Fally Ipupa, bon, on l'aime bien, on l'apprécie bien, mais comme tu je dis toujours... Pas? Non, j'aime pas parce que moi, bon, bizarre, il aurait pu se bizarre.
Il aurait tout pu retirer. Fally porte mes plaies. Même ce qu'il a mis là. Là. C'est quoi? Même c'est si Fally porte. Tu as vu comment il a fait sa tête, non? Même ce qu'il a mis là. C'est quoi il a porté? C'est quoi? C'est un gilet? C'est pneu. 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 Non, c'est une doudoune qu'il a mal positionnée. Moi, je dis. Qui n'était même pas nécessaire dans ça. Même s'il porte sac de riz, ça me plaît. J'ai l'impression qu'il était contre, je pense, contre le foie. C'était contre oui, le foie. Oui, mais il y a d'autres doudounes, quoi. Je veux dire, bon. Non, cette couleur-là, voilà. Fally aussi veut mettre des choses pour que tu parles. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai parlé. Que tu mérites ton salaire. Bien sûr. Donc, le prochain, c'est Richard Brown. Bon, oui. Richard Brown, c'est. C'est qui ça? Bon, Richard Brown, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un blogueur. Tu es sûr que ce n'est pas Coloco Jemé qui est là? Oui, ça ressemble un peu à lui. Non, c'est un blogueur ghanéen qui se fait connaître parce qu'il met beaucoup de jupes. Et il met des jupes, des robes. C'est son style, c'est pas comme ça il est. Mais bon, je trouve que c'est inutile pour quelqu'un qui est dans la mode mais et qui est l'exécution. Mais il s'est lancé un truc et puis voilà. Non, il est méchant. Mais voilà, on les... parle de lui. Sinon, on n'allait pas parler de lui. Il allait passer inaperçu. Il y a d'autres manières de parler de lui. Ah, mais sinon, voilà quoi, un bon flop. Il est méchant. L'exécution n'est pas... Dans une vie passée, c'était un écossais. C'était quoi? C'était un écossais. C'est comme ça, il aime les jupes, là. Ah, d'accord. OK. Et il associe ça avec des marques et tout ça. Hein, c'est ça? Hein, tu dis? Non, il fait un mélange de marques, de stylistes du pays et tout. Donc voilà. Donc en top, maintenant, on va aller. Moi, mon top, c'est par rapport au concert de Serge Beno. J'ai apprécié. Ça a été beaucoup décrié. Ce look-là, moi, j'ai aimé le style. Mais moi, particulièrement, j'ai trouvé que c'était simple. Non, moi, c'était top. Et puis, c'était très bien réalisé. Ces costumes ont été réalisés par Roka Yapo, qui est un styliste ici en Côte d'Ivoire. Ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Franchement, moi, j'ai aimé. C'est un artiste, mais qui l'exécution, c'est-à-dire en matière de look, est propre. Non, j'ai... Deux jours à Beno, à les abdos, des... Non, il s'est mis à la salle, comment on dit, c'est bashi maintenant. Ah, Nyolou, tu as tué. En tout cas, son spectacle, son concert franchement, c'était une propre, c'était nickel, c'était vraiment un truc. Franchement, moi, je n'étais pas là, j'étais au village par rapport à l'arbre de Noël que j'ai donné, que j'ai offert aux enfants de ma province. Voilà, de ma province, de ma contrée. Tukuzu. Voilà, Tukuzu aux Alem. Et donc, j'ai pas pu y être, mais c'était une réussite totale. Oui, oui, félicitations. À tous les niveaux, en tout cas, franchement, on niveau même des loups, on t'aime. C'est bon. Papa, pour les styles des artistes, à toi, qu'est-ce que ça... Parce que toi, tu as un style. Tu as une couleur. À... Aujourd'hui, tu as choisi oui, quoi comme couleur? C'est du vert. C'est la période de Noël. OK, de donc, fin vas-y. Vas-y. Par rapport à quoi? Le vert. Le vert. Oui, le vert, c'est une des couleurs de Noël. C'est une des couleurs de fête. C'est une couleur qui est de l'espérance. C'est une couleur aussi de la joie, de la bonne humeur. Et puis, il est dans le volet forestier, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi un petit clin d'œil par rapport à ça, je dirais. Le général, tu es très souvent vêtu en treillis militaire et tout ça. C'est pour parler aussi, de... Dans ma vie, je ne suis pas un juste chef d'État. Je dois être ministre de la Défense. Oh, ministre de la Défense. Non, c'est important. Mais tu veux être chef d'État où? Hey, Seigneur. C'est ta fille. Parce que vous êtes là, ça me tira le cœur. Dès que le vieux qui a changé le pays dit, mes enfants, je m'en vais. En même temps, tu te présentes. Attends. On te vante. On appelle ça gris-gris. Makoso, je suis dedans. Voilà. Le clash présidentiel. Voilà. Imagine une élection présidentielle, Makoso est dedans. Yves et puis on dit, je suis en face. Et Yves Dero aussi est dedans. Yves Dero est dedans. Et puis je suis en face d'un candidat. Mais il est mort dans ma main. En fait, il attend ça. Non, donc il attend ça. Non. Donc là, si papa dit, il s'en va. Si Demi Vincent le vieux. Non, 2025, je ne suis pas d'accord. Il ne peut même pas dire ça. Il peut même pas s'amuser à dire ça même. Papa, si tu regardes l'émission 2025, tu ne peux pas nous dire ça encore. On est là-bas encore. On parce qu'il a encore fait un peu le donner de quelqu'un du bas. Il ne peut pas le quelqu'un du bas. Dès que le vieux dit. Je ne suis pas candidat. Donc 2030. Même s'il présente la main de quelqu'un, c'est blanc. Toi, tu t'es présent. Aïe! 2030. Le clash de ça. Voilà. Ils vont venir nous expliquer. Donnez-moi un poste. Pourquoi tous ceux qui obtiennent le bac chaque année n'ont pas 300 000 francs comme les étudiants du Burkina? Il entend une première fois. C'est fort. Makoso, président de la République, c'est moi et l'État, par les services sociaux, qui fixons la hauteur des loyers. Faut mettre hors dans ton studio à engrais. Ça dépasse plus 70 000. Je ne vous ai une chambre salariée. Crazy.
promets, une fois élu, tout l'argent mamaillé par les mamailleurs sera d'un coup et remis au peuple. Dès que je suis élu, voilà, je vous informe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà, que nos jeunes filles n'auront plus besoin de gérer les bisis. Car nous allons mettre une banque de financement de projets pour toutes ces jeunes filles. Car avoir sa carte nationale d'identité ivoirienne et mentir plutôt mourir de faim, c'est un délit contre nous-mêmes. Yes. J'ai déjà 70 projets pour la jeunesse, voilà, pour les femmes et pour les étudiants. Comment comprendre que l'avenir de l'administration, de la santé, ainsi que des finances vont à l'école en pleurant? Les jeunes filles, dès qu'elles ont le bac, sont obligées d'avoir des tontons maudits dans le but de les gérer. Une fois élu, chaque année, tu as tes 300 000 francs. Mais si tu redoubles, on enlève ça. On enlève ça. Je vous ai dit que quand le général allait venir, il allait mettre le feu. Il allait mettre le feu dans l'émission. Ah non, je suis content. Il a tué. Joker, le général est trop confiant dans mon émission, c'est pas normal parce qu'ici, c'est mon émission! C'est toi qui commandes! Le général, tu es trop à l'aise. Ah bon, hein? Passons au Joker. Lumière rouge. Lumière rouge sur le plateau. Tout doit être rouge. Voilà. Lumière, le sang de Jésus. Maintenant, on va. Maintenez la lumière rouge qui a éteint. Voilà, c'est rouge maintenant. Questionnaire. Yes. Bon, il y a une question même qui a été déjà répondue avant. Mais avant ça, le général, je vais t'expliquer le but du jeu. On pose des questions. Si tu réponds, tu as gagné. Si tu réponds pas, tu vas boire quelque chose. On peut m'apporter ça ici même d'ailleurs. J'ai instauré ça parce que les gens participent au jeu, mais il n'y a pas de challenge. Voilà, il n'y a pas de challenge. Donc, soit tu gagnes, soit tu bois. Ah, c'est belé. Il y a des œufs. Quoi? Il y a de la cola. Œufs frais. Mettez. Il y a des œufs, il y a de la cola. Tout ça, voilà. Mettez. Envoyez devant moi. Envoyez devant moi. Il faut que je fasse la mixture. Envoyez ça ici. Déposez là. Il y a comme il regarde ça. Voilà. Il y a tout. Mettez ça là. André, c'est lui qui est plus serré. Il y a tout répondre, mon frère. Voilà. Voilà. Attends, dis-moi. Fait des candidatures. La première. Ça prend. Ah, mais les questions là même là, il a déjà répondu à beaucoup. J'ai dit, pose pour toi. Non. La première question là, avez-vous eu des relations amoureuses avec Sarah Misson? Oui. Il a déjà. Hein. Avez-vous déjà trompé votre femme? Oui. Il a dit. Il a fait un fond dehors même. Hey! Non, c'est un président qui a tout vécu. Quand c'est comme ça, même c'est beau parce qu'il comprend la population. Avec une jolie fille métisse, quand j'ai vu la qualité de ses cuisses, je ne pouvais pas refuser. Non. J'ai fait. Monsieur le futur président. Oui. Nous voulons vous poser une question. Posez. Avez-vous des acquaintances avec un ministre? Oui. Un ministre vous a déjà-t-il offert de l'argent? Oui. Lequel des ministres? Ambak. Non. Il n'est plus dedans. Actuel. Ah, ça là. Sinon, nous tous, on peut dire Ambak. Moi, mais il m'a donné aussi. Le ministre de la Jeunesse a une fois participé à une œuvre caritative. Je crois à hauteur de près de 5 millions de francs CFA. Le ministre Mamadou Touré. Oui. On applaudit pour lui. Monsieur le ministre Mamadou Touré, la dernière fois on s'est eu au téléphone, vous avez dit vous m'avez rappelé, vous m'avez pas rappelé. Yo, on va aller là-bas.
Moi-même, je fais un caritatif aussi. Je vais venir prendre ça pour aider les gens. Je vais t'accompagner. Oui, oui, oui. Bon, ça aussi, là, il vient de répondre. Avez-vous des contacts proches avec des autorités du pays? Bien sûr. Est-ce qu'il te contacte pour des pubs sur ta page? Non. Il ne me contacte jamais pour des pubs. Il ne m'appelle jamais lorsqu'il y a, par exemple, ils sont attaqués ou bien il y a une affaire détail autre. Il ne me contacte pas. C'est toi-même de façon naturelle. Quand je sens que ça peut avoir des conséquences sur la vie des jeunes ou des jeunes peuvent mourir, je prends des positions. Mmh. Et souvent, c'est après qu'ils m'appellent pour dire vraiment, on a l'impression que c'est comme si tu étais dans nos pensées hautes. Mais en me disant toujours, même si c'est nous qui avons commis une erreur, il faut te sentir libre de critiquer. L'ordre vient du chef de l'État. Patrick, tu as une question? Il va boire ça, là. ma question, c'est de savoir quelle est la somme d'argent la plus importante que vous avez reçue d'une autorité ici en Côte d'Ivoire? Et c'est qui vous a donné ça? Je crois que c'était autour de 55 millions. Et c'est qui vous a donné ça? L'ex-premier ministre Ambak. Pour faire quoi? C'était pour organiser un grand programme de prière pour le pays. C'était un moment très difficile du pays. Et puis, sans qu'on ne lui demande, il a dit, bon, voici ma participation. Et lorsqu'il est venu... Oui, pour les pasteurs. Et quand il est venu au programme, il a offert une maison à une femme qui était dans le groupe musical dont il sentait qu'elle avait des problèmes. Il a changé la vie de cette dame. Le départ d'Ambak est la plus grande tragédie de ce pays-là. C'est la plus grande tragédie. C'est comme si nous avons pratiquement tout perdu. On a perdu même. C'est quelqu'un de... On ne peut pas le conjuguer au passé parce que tu n'as pas idée. Moi, il y a des moments donnés sur, par exemple, une période de près de 3 mois, on t'appelle, on te dit, non, le ministre a laissé quelque chose. J'ai dit, mais je n'ai pas demandé. Il dit, non. Ah, monsieur le Premier ministre, tu sais pourquoi cet argent-là? Il dit, mais je vois que ce que tu fais pour les veuves, les orphelins, c'est ma participation. Ce n'était même pas dans le sens de m'acheter autre. Il le faisait naturellement. Lui-même, c'est un donateur. Un de ses conseillers disait, qu'est-ce que tu as donné à Ambak? Qu'est-ce que tu lui as donné? On dépose des trucs, il dit non, mais quand il dit Marco, il dit donner. C'est une grande perte. Mais je tenais en même temps à rendre hommage à une grande dame, maman Yolande Bakayoko, à qui je fais plein de gros bisous. À qui je profite ce soir, la veille de Noël, pour lui souhaiter un très joyeux Noël. Maman Yo-Yo, je t'envoie de grosses bises. Tu sais combien de fois je t'aime et que je te porte dans mon cœur. Merci pour ces enfants, merci pour de tenir bon pour ses enfants, Yérim et ses frères. Merci de tenir pour nous aussi. Parce que nous aussi, on était les enfants d'Ahmed Bakayoko. Merci de tenir pour nous. On t'aime, on te fait de gros bisous. Il y a l'argent d'une personne que je rêve manger. Mais ses collaborateurs sorciers ne m'ont jamais introduit là-bas. C'est qui? Elle s'appelle Madame Dominique Ouattara, Maman Bonheur. Non, je veux ça, manger ton argent. Non, ça c'est... C'est pour moi. Aïe. Ah, ça, je ne permets pas ça. Ah. Ça, c'est... Ivy. Non. Ça, toi et moi, on va parler de ça après. Ivy. Non, je vais te faire rentrer. Tu as changé, hein? Non. Tu n'étais pas comme ça avant. Non. Moi, mon affaire de maman Dodo, là, j'ai fait jalousie dessus. Non. Attends d'abord. On va parler de ça après. Hein? Donnez-lui une question qui va faire. Est-ce que tu as déjà prié pour une star, un footballeur professionnel qui a des difficultés? C'est confus. Aïe. Faut mettre. Casse. Bon, je vais répondre. Faut casser. Casse c'est devant je lui. Je ne peux pas. Hein? Ah. Je ne peux pas parce que ça implique des familles. Faut mettre. Et autres. Casse. Et Armi, regarde ça. On va deuxième. On peut lui donner son palais. Si, mais non, il faut qu'on fasse une autre question. Cherchez une question dure aussi, vous aussi. Sinon, il y a 47 footballeurs professionnels. Hein. Mais une fois que leur famille sait que tu pries pour eux, là, ils vont commencer à calculer le salaire et la dîme qui me revient. Ah, ça, tout ça, tu as pensé? Non, faut pas dire ça.
On peut faire ça. Ah, ta main. Toi-même pour voir. C'est là, il va appeler les filles, donne tout l'argent à Samako, ça tu donnes. Laisse-moi manger en paix. Papa, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant... C'est une petite page triste, hein, le décès de maman Tatiana. Aujourd'hui, avec tes filles, avec la famille, comment tu vis? Est-ce que... Parce que moi, je sais. Ça, il nous arrive de parler où tu pleures la nuit, où souvent c'est difficile pour toi. Parce que c'était ta meilleure amie. Donc, avec les enfants, comment tu arrives à gérer? Aujourd'hui, tu es père et tu es mère en même temps. Bon. Aïe. Il aurait été mieux de... On va aller à la pub, s'il vous plaît. J'ai failli avoir affaire ici, oh. Question, mon quatrième voulait demander là. Mon père allait pleurer ici, allait payer bœuf. Il n'est pas les moins. Papa, aujourd'hui, là, c'est Noël. Tu dois faire mon cadeau aujourd'hui, hein, avant de partir. Mais d'abord, avant, moi, on va aller... Moi, je travaille avec elle. On se travaille ensemble. Mais attends, mais tu as quoi, lui? Mais c'est pas ça, la même. Mais en fait, Yves, on va faire un casting. Franchement, c'est pas comme si je ne peux pas répondre, mais je ne veux pas penser. Parce que c'est... Personne n'a idée. Et c'est des choses que tu ne peux jamais souhaiter à quelqu'un. C'est... C'est bon. Il faut laisser, papa. Bon. On n'a qu'à laisser. C'est mieux, on n'a qu'à laisser. Je pense que c'est une page assez triste. On n'a qu'à laisser. Eh bien, Élisée n'est pas là, mais on a quand même une pensée pour lui. On va aller à Poly Gossip pour lui rendre un petit hommage. Élisée, tu as loupé la dengue. Poly Gossip d'aujourd'hui, là, c'est trop lourd. On s'en va là-bas comme ça. Public, ça, là, aujourd'hui, là. Le public d'aujourd'hui, là, n'est pas ça, hein. Non. Eh bien... C'est de ma mailleur. Poly Gossip d'aujourd'hui, on a vu quelqu'un à l'aéroport en train d'attendre ses bagages. Est-ce qu'on a l'image? C'est tellement lourd que moi, mais ça me dépasse. Ça te dépasse, non? Ça me dépasse. Quelqu'un? Non, mais j'ai dit, mais... Oh, je le cherche! Tu le cherches pourquoi? Wallahi bilahi. Tu le cherches? Je te jure, je le cherche. Pour un débat. Un face, j'ai le cou, j'ai dit, il va plus faire débat avec quelqu'un. Quand dès que moi, je suis président, tous les sans-papiers... Les autres, je les amène. C'est pas grave. On va ramasser aussi tout notre agent CFA que vous avez gardé en France. Tandis qu'on s'en va là, on va à notre Djokwe. Donc, pour retourner à Poly Gossip, on dit, j'ai vu un poste qui dit, un monsieur attendant ses affaires à la gare UTB. Il était mort de rire. Patrick Edouard, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Non, mais bon, j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il était venu pour rencontrer l'armée française qui est ici en Côte d'Ivoire. J'espère qu'il va aller rencontrer aussi l'armée qui est au Mali. Parce que là-bas aussi, ça se passe de façon particulière. Oublie ça, il ne peut pas arriver là-bas. Il ne peut pas arriver là-bas, non. Donc, il est venu pour rencontrer l'armée française, comme ça a été le cas, je pense, pour Macron. Mais c'est en vue des élections présidentielles qui auront lieu l'année prochaine en France, en fait. OK, Mimi, tu le connais. Le public a vous a perdu, s'appelle Éric Zemmour, s'il vous plaît. Moi, je suis cultivé, je m'informe sur l'actualité. Il faut développer, t'as posé une question. Éric Zemmour, bon, qu'est-ce là, que tu as à nous dire? Le barrage, il attendait. Donc, il est à Abidjan actuellement. Mais c'est ce qu'on vient de dire. Il habite tout ça actuellement. Il dort. Il dort où? Ça, je ne sais pas. Lui aussi, tu veux le breaker? Non, pas, je suis en couple. On est ensemble. Je suis la première dame parce que le monsieur qui est là, il sera président. Je vais voir. Première dame, ça va moi un peu. Hein. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Donc, pour les gossips de cette semaine-là, c'était monsieur Éric Zemmour à Abidjan. On ne sait pas ce qu'il est venu chercher ici. On dit qu'il est venu voir l'armée française. L'armée française.
En tout cas, faut pas y va là, yo pour quoi. C'est assez drôle, hein, qu'il faut vienne. Faut pas y va là, yo pour quoi. Promenez-le, ni à Bobo. Emmenez-le vers zone 4 là-bas. Mais yo pour quoi là, à Bobo. Ni à Béi. En fait, moi, je pensais que même la chaîne avait prévu un débat avec lui. Pour que tu sois là. Je t'assure. On va essayer de voir si ça peut se faire. Ah. Ça, là, ça va te faire. Donc, tu te portes, gars, tu veux. Non, mais je t'ai dit, en matière de débat, je vais le démonter. D'accord. OK. Polyvoxine, c'est ça tout pour aujourd'hui. Alors, mes étoiles, l'heure véridique a sonné. L'heure des jeux. Le baccaro... Oui, baccaro... Son palais. Son palais. On dirait comment tu as fait aussi, hein. On dirait comment tu as fait aussi, hein, baccaloréa. L'heure du jeu. Ça a commencé. Game of Thrones. On s'en va là-bas. Game of the Thrones. C'est qui est sûr? On Throne. S'en va là-bas. Le jeu d'aujourd'hui, tu gagnes, c'est ça. Tu n'as pas gagné, tu bois une Seigneur, mixture. Ta grâce dans ma vie. À base de cola et de tomates pâtes et d'œufs. Ça soigne l'anémie. Je vais faire ça devant vous. Vous pouvez J'ai faire... J'ai su que ça, ça ne soigne pas coco. Vous pouvez jouer aussi avec vos amis, oh, c'est quoi? Vos enfants à la maison. Donc, je vais fabriquer ma petite mixture. Dieu Seigneur, épargne-moi. Bah. Faut bien mélanger. Bah. Toi, Jean, c'est moi qui... C'est non, mais je sais que tu vas boire, ça c'est clair. Aujourd'hui, il n'y a pas boire. Toi, mais tu bien faire, mélange ça bien. Est-ce que je peux avoir un autre verre? Il y a beaucoup de gens qui vont... Comme qui, bon ça? Je peux avoir un autre verre? Toi, mais de la malheur, tu avais dit qu'on sait que tu étais trop intelligent à l'école. Je te dis... Non, c'est débrouillé. Ivy, tu vas trop loin. Tu sais, moi, j'ai fait un plaisir non, à faire ça. J'ai fait sixième, cinquième. Esprit de vagabondage, j'ai rentré. C'est mon père dit ça. Comme toi, tu vois pas clair la journée. Il a ça fait de moi un panier, m'a mis dans le coup du soir. De la Donc, cola. Donc là, on est en train de partir. On va mettre la honte sur ma cousine. De la cola et un œuf et de la tomate pâte. Ça soigne l'anémie de toutes les façons. Hein. Donc, Seigneur, on va aller. Hé, hey, je suis trop contente. Maintenant, là, parce qu'avant, les gens jouaient. Et puis, ils perdaient. Il n'y avait pas de challenge, il n'y avait rien. Là, là, j'ai réfléchi, j'ai dit, je vais mettre ça là. Donc, on va faire le baccalauréat. Prenez vos ardoises. Alors, la lettre V. Mais pourquoi tu es méchante comme ça? V. 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 Il a son ardoise, le général. Oui, il a ça. Okay. Il a ça. La lettre V. Donnez-moi le nom. De celui qui écrit même nom avec quelqu'un. C'est-à-dire le premier... on va voir les ardoises. La première ardoise qui a été retournée. S'ils ont écrit la même chose, celui qui a retourné le premier gagne. L'autre paie. Un animal commençant par la lettre V. Animal. Pendant ce temps, je prépare une deuxième mixture. Animal. Parce que je sais que... Mimi écrit beaucoup, hein. OK. Permettez-moi de faire une autre mixture. Oh, yeah, Seigneur Jésus. Ça sent bon. L'esprit de méchanceté animé. Oh là là. Ça va vous donner à doigts aussi un jour, vous allez voir. Vous connaissez facile. Mimi doit boire ça là. Ça a l'air d'être bon, hein. Ça, est-ce que ça fait maigrir? Ça doit faire maigrir, donc pas le bon. Non, on dit un seul animé. Nous, on a choisi quoi? De quoi? On dit un. Bon, c'est bon, on n'a qu'à montrer maintenant. Bon, montrez les ardoises. Vont, vont, vipère, et vont. Il y a un gadget, il y a un gadget dedans. Bon,
général, monte ton, à la caméra. Nous, on n'a qu'à choisir quoi dans ton vos, toi. Vos, vipère, vos. Non, ce qui est sûr, il y a un qui a pris. Von Von. Vos. Toi, tu connais pas Von Von. Vipère et puis vos. Mais Von Von, là, ça n'existe pas. Il est qui quoi là-bas? Varan. Varan, oui. Varan. Elle, elle a écrit quoi? Elle a écrit Varan, ST. Ma chérie. Oui. Elle attends, mais y a... attends, ça va Varan, il y a Imondo. Tiens. Et là, ma chère, c'est ça là même qui soigne ça. Bois. Et là, t'as fait ton ventre. Là, dis-tu es parti. Seigneur. Hey, faut boire. Oh. Une gorgée, une seule gorgée. Bois. Laisse le pasteur prier d'abord là-dessus. Sanctifie Seigneur dans le nom de Jésus. Le goût sera le même, ma chérie. Pendant que tu bois, ma fille, le Seigneur va restaurer ton âme d'une onction de prospérité. Mais le goût sera le même. Je reçois. Tu, hein, si tu bois pas là, tu fais pas deux émissions. Ça peut mon âme à dîner. Il y a bénédiction, bois. Continue. Crois, ne doute pas. Accélère. C'est un coach, oh. Je vous dis. Ça peut jamais être doux. Il m'a fait boire tout comme le général, même, c'est un coach de vie. C'est mais j'ai bon. Deux livres, même. Oui. Souvent, les gens oublient que c'est écrit. Ah, hein. Oui, il a écrit deux livres, effectivement. C'est vrai. Le général! Parce que doigt. Bon. Prenez encore les ardoises. Ah, aujourd'hui, là, ils m'ont pas mis la dictée, là. Conjugaison, non? On va faire conjugaison. Ton quoi? Hein? Conjugaison. Conjuguer le verbe pouvoir à l'impératif. Aujourd'hui, là. Jésus, j'ai oublié. À l'impératif de quoi? Le impératif verbe quoi pouvoir à l'impératif. Putain, j'ai oublié. Allez-y. Non, je vais boire. Et après, quelqu'un me regarde. Non, je vais boire. C'est mieux. Je peux avoir un verre. Est-ce que je peux avoir un autre verre, s'il vous plaît? Saint-Ish. Impératif présent ou passé? J'aime bien faire cette mixture, ça me plaît. Ça me plaît. Je dis, nous trois, on va boire. Et qui est sûr, moi, je suis en train de préparer. Voilà. Mais pourquoi tu joues jamais même? C'est qui est sûr? C'est mon émission, c'est moi qui commande. Non, je vois pas. J'ai besoin d'un œuf. J'ai besoin d'un œuf. Mimi, tu entends les mentir sur la boîte là. Faut laisser. Donc, il y a un qui va boire. Marco, c'est en train de tricher. Hein. Mais je. Oh, putain. C'est génial. J'ai déjà retourné mon adresse. T'as retourné. Mais je regarde voilà, pour voir s'il y a visa des un qui connaît. J'ai vu que. Il a demandé au public. J'ai vu même que derrière moi-même là. En fait, c'est grave, hein. Il y a plus choyé même que moi derrière. Je peux avoir un verre. Je peux avoir un verre. Ah oui. Vous avez œuf. Ah non, c'est pas grave. Allons-y. Alors. Elle aime ça. Ouh là là, j'adore. Je vais faire moitié-moitié. Toi, si Dieu t'a pas touché, que tu étais dans sorcellerie, c'était pas bon, hein? Tu fais ces plaisirs avec mon Dieu. C'est bien doux. Alors, retournez les ardoises. Ouais. Non, moi, j'ai rien mis. C'est quoi j'ai ça? J'ai quoi? J'ai pu. Je pourrais. Et toi? Que je puisse. Pardon, monte bien. Ça, c'est pas un truc, c'est attends. Pas ça. Moi, mais attends, moi, et toi? Elle est un peu intelligente. Hein. Et si dans, dans le truc? Mais, Mimi, mais. Vous, voyez ça? Reste là comme ça. Attends. Ça, que là. Je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il il puisse. Ou elle puisse. Bon. Ça, c'est Kérosène même qui connaît bien les choses comme ça. Alors, ceux devant qui je vais déposer les verres seront ceux. Qui auront perdu. Seigneur. Le général, déjà toi, je commence. Et aujourd'hui, Mimi, applaudissez pour Mimi. Oh,
Parce que j'ai pensé à ça. Mimi, tu as encore perdu. Mais il faut lui donner à Patrick. Toi, lui, n'a rien. Patrick, normalement, tu pensais à quoi? Non, il aura de la réponse. Tu pensais à quoi, Patrick? À tout sauf ça. C'est qu'elle a écrit. À tout. Aïe. À tout sauf ça. Donc, ça se conjugue, le verbe pouvoir à l'impératif. Non, ça ne se conjugue pas. Non, si. Tu pensais à quelque chose. Non, je pensais à tout, mais je n'ai rien mis. Oui. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as rien mis. Ça fait ce qu'il a dit. OK, d'accord. Okay. Voilà. Donc, sinon, c'est quand il a fait là. On va faire un décompte avec le public. À toi, ils doivent voir d'un trait. Quoi? Mes amis, nous buvons à ma future candidature. Deux, trois. Allons. Bois-moi ça. Le général me boit même. Il y a Patrick aussi boit. Ah mais c'est bon. Si tu vomis, bois. Tu rates, si tu as raté deux émissions. Bon bois. C'est bon. Bois. En fait, c'est délicieux. C'est tellement bon. Non, mais ça, tu dois faire ça plus. Oh, c'est bon. Ah. C'est très bon. Ça vous fatigue. OK. Bon, c'est déjà bon. Le général, il nous... Si tu... Elle veut vomir. Elle veut... Venez, venez la vomir. Seigneur! Mimi, il faut t'élever! La vomi! J'adore l'émission! C'est mon émission! Je te renie en tant que grande dame! Non, elle est régnée! Elle a régné! Je l'ai filmé sans doigt montré! Elle a vomi! Je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Conjugaison dictée baccalauréat, tu trouves pas. Plus joker, les cinq questions fétiches, tu trouves pas. Tu bois tomate pâte avec œuf. La semaine prochaine même là, je vais ajouter quelque chose dedans. Je vais mettre kafa dedans. Ça fait bon, général, ne la calculez pas, elle va se rattraper tout à l'heure. Général, yes. Dis-moi. Quels sont les web influenceurs ou web humoristes que tu suis? Que tu apprécies? J'aime beaucoup l'humilité de la petite Ariane, non? Celle qui se lave pas, là. Ariane Céleste? Oui. Et puis, il y a Jack. Sean Bryden. Non, eux, dès que ça sort, il faut que j'aille regarder. Et puis, j'ai vu un temps soit peu ce qu'il a fait pour... Ces différents acteurs, il leur a remis une voiture. Oui, je crois qu'on a des images. Etc. Wow. Cintiche, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que tu peux me mettre les images de ce que cet influenceur... En septembre 2022, au niveau de Paris, la Libias a décidé de primer les meilleurs acteurs du continent, les meilleurs groupes, les meilleurs artistes, les légendes telles que Alpha Blondie et autres. Ça, on a à l'écran. Oui. Hein, ce que Sean Bryden tout a fait pour ses acteurs. Sean Bryden, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'homme invisible, le producteur et de Shani TV. Le concepteur et tout ça. Le voici qui est là, un très grand ami. Est producteur, réalisateur, scénariste, chanteur, beau gosse, mannequin et tout ce que vous voulez. Le milliardaire caché, comme j'aime l'appeler. Mais lui, au moins, on a parlé. Ah bon? Il m'a parlé de toi. C'est vrai? Et l'information que Ivy cache, c'est qu'elle a signé avec Sean Bryden. Hey, je n'ai pas encore signé. Ah ouais. On va signer. En tout cas, s'il n'a pas encore signé, moi, il m'a déjà donné, il m'a déjà dit, parce qu'il m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce que je pense de Ivy Deroy Haute, parce qu'il voudrait signer avec elle. Aujourd'hui, c'est lui, sur le plan continental, il est le numéro un. Comme ceci, ils font par exemple cette vidéo, elle est exactement à près de 20 millions de vues déjà. Depuis hier, ouais. Il fait des vidéos qui en 24 heures font 8 millions, non, 10 millions. Je crois que c'est avant-hier qu'il a posté. Voilà, 34 millions, 100 millions, or ils sont simplement gabonais. Ouais. Voilà, et voici franchement, Jack. Franchement, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, c'est quelqu'un de très humble, qui aime vivre caché. Sean Bryden, c'est l'homme invisible, comme j'aime le dire, avec Nzengue, Jack...
et tous ces acteurs à qui on souhaite un joyeux Noël. Sean Bryden, très bientôt au Gabon. On espère qu'il sera très bientôt à Abidjan. On lui fait de gros bisous. Un beau gosse. Il est beau même. Ouais. Croquant. Tu sens que... Oh, il y a le Ludi. Non, c'est un grand frère à moi. OK. Oui, oui. Hein? Sean, il est bien. Non, c'est mon grand frère. Non, Sean, il est bien et il est très humble. Ouais. Quelqu'un qui fait des millions de vues lorsqu'il t'appelle, il s'humilie. Vraiment, mon général, voici ce que je pense. Et autre, quand on lui a présenté, par exemple, la Ligue, il dit j'adhère. Automatiquement. Il est, franchement, il est, c'est quelqu'un de bien. C'est un grand coach, un grand conseiller dans l'ombre. Oui. Voilà. Donc, Et tu vois, toutes ces maisons, c'est lui qui est en train de les construire pour ses acteurs et autres. C'est quelqu'un de formidable. Ah, Seigneur. Le général, c'est quel web humoriste, quel comédien en Côte d'Ivoire ici que tu aimes? Oh, Yviel aime ça. Toi-même, tu connais. Moi, je ne cache pas mes amours. Ah. Pour me faire rire, c'est compliqué. Hein? Tout le monde est... Il y a des gens, quand je les regarde, font comédie, là, j'ai envie de dire, tu es bête. Mais ça ne te va pas. Mais il vient faire un jour quelque chose où le gars, tu parlais politique. Et puis, il m'a dit, ça a commencé. J'ai dit, de la manière dont tu es en train de courir, là, j'ai ri que je suis tombé à terre. Elle a quelque chose de naturel, c'est-à-dire elle fait rire naturellement. C'est dans le sang. On peut toujours le prochain, mais le talent là. Non. Attends, moi, c'est pas ça, là. Moi-même, là, je voulais parler de ça. On peut tout lui reprocher, parce mais que le je talent, vois souvent les gens qui disent on peut tout lui reprocher, non, mais le talent sommeil à ça. Vous voulez reprocher quoi? Vous allez le reprocher quoi? Je suis mon camarade. Attends. On reproche à quelqu'un. Tu reproches quelque chose à quelqu'un qu'on connaît. Laisse-moi expliquer. Oui, tu lui reproches quoi? Que tu le veuilles ou pas. Tu es un être humain, c'est pas tout le monde qui peut t'aimer. J'ai dit. Donc, c'est ce que c'est dans ce moment-là. Je ne veux pas me faire. Aïe, la fille, elle connaît ma bouche. On va faire meilleur péché ici. On va l'allumer même. Quand tu le veux ou pas, tout le monde ne peut pas t'aimer. Mon Dieu, même de ceux qui ne t'aiment pas. Forcément, les gens vont parler. Mais là, je dis. Mais on peut tout te reprocher là. Talent est là. On peut tout te reprocher. C'est elle là, c'est elle là. Ouais, ça ici. Ça là, je vais répondre. Je sens que c'est un blogueur qui est en train d'être attaqué. Pour on peut tout me reprocher là-même, là, c'est quitter où même. Ah, c'est parce que vous aimez dire ça, hein. On peut tout lui reprocher, mais elle a le talent, c'est quand vous on avez regarde honte, au là, talent et à la valeur. Quand la honte est en train de vous consommer, là, c'est là que vous dites ça. Quand vous savez que je suis talentueuse... Calme-toi, Yvi. Je suis là, tu vas pourquoi. Attends, faut te calmer, pays. Elle était jalouse de moi avant. Elle a pas non, te calmer. Non, pas jalouse. Quand on est femme comme ça, on parle pas trop. Laisse-moi parler. Tu donnes le micro à Yvi ici. Il n'y a pas de préparation, ni tu lui donnes le micro, oui, elle fait rire tout le monde. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai toujours, moi, j'ai toi, toujours suivi ça. Toi, tu vas être envoyé, tu sais ça. Non, pourquoi? Pourquoi? Attends, pourquoi tu arrives à tout de suite, à ce stade. Toi aussi, tu es extrêmement... Mais laisse-moi parler. D'abord, c'est moi qui ai posé la question. Yvi, tu me fais rire. La petite Ariane, là, me fait aussi rire. Dehors. Calme-toi là-bas, dehors, comment? Comme toi là-bas. Il y a aussi. Il y a aussi. Elle a sifflé là. Elle a fait genre son audio là. Et mon fou. Sifflé, il est sorti. Quand on a dit dehors comment? Émission qui est doux. Maintenant, Yvi, il y a une dernière personne aussi qui me fait beaucoup rire. Le perroquet de Lolo Bouté. Oui, non, non. Le perroquet. Surtout quand elle est en train d'imiter comme les bobos parlent. C'est le perroquet. J'ai dit, le perroquet fait rire la personne que tu connais, je te dirai après. Okay. Tu vois un peu. Je vois un peu. Il y a trop de codes dans cette émission. Oh, trop de son affaire du perroquet. Mais moi, par contre, il y a quelqu'un qui me fait rire, qui est là, qui a obtenu un trophée, qui a tenu à venir me le présenter. Il s'appelle Clint Elex, c'est mon fils, qui débute dans le stand-up. Je n'ai même pas dit qu'il débute même, parce qu'il a su s'imposer. C'est mon fils chéri que j'aime. Non, Yvi. Lui. Lui-même, dès qu'on voit sa tête, même, il fait rire déjà. T'as dit sa tête même bien fait rire. Oui, ça c'est mon fils. Mais sa tête en dé, sa tête en dé est claire là. C'est du... Ça fait rire bien. Alors, moi je suis vraiment content d'être là. Et tu sais, moi je réfléchis beaucoup. Ses pieds de Lucky Luke même font rire. Là, sincèrement, ce trophée-là, c'est pour te dire merci parce que tu me soutiens beaucoup. J'ai fait mes spectacles, tu as partagé mes affiches. Même sa babichette fait rire.
Et là, vraiment, c'est pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci beaucoup. Merci. Merci, mon bébé. C'est un gentil. Tu as pleuré. Non. Ah, mais moi, je pleure pas pour moi. Non. Petit Aboulet, viens saluer ton vieux père Aboulet ici. Voilà. Voilà, ça comme un fils. Igoué, ça bouge. Voilà, sans tranquille. Faute. Antoine est ensemble. Tu es un chef. Merci, fort. Voilà. OK. Merci, mon bébé. C'est moi. Donc, je garde ça ici. Vas-y, vas-y. C'est la table au trophée. C'est la Noël. Tu es sûr qu'il va toujours rester petit? Non. Parce moi que ceux-là, dès qu'il commence à évoluer, j'ai un comportement bizarre. Hein. Lui, franchement, ce jeune homme, il respecte beaucoup et ça me touche. On sent qu'il est, il est ensemble et qu'il a la crainte de Dieu. Oui, il a la crainte de Dieu. Bon. Il est vraiment ce petit. Quand tu as réussi là, faut pas venir dire non, Pierre, Copol, hein. Non, hein. Faut la reconnaître. Faut reconnaître les légendes. C'est pas parce que demain tu as fait 1 million de vues que vous allez oublier qui sont les légendes. C'est une légende vivante. On lui doit ça. Celui qui acclame le Seigneur reçoit la bénédiction. Merci. Eh bien, Noël, Noël, Noël. Vous vous souvenez, mes étoiles, on a reçu ici Aïa Pimpin. Mm-hmm. C'est qui ça encore? Le Cricri Massa, celui qui a créé le Cricri Massa. Mm-hmm. Nom très fétiche. Il était là. Et on a décidé de lancer une petite collecte sur ma page pour pouvoir l'accompagner dans sa lancée. De artiste chanteur à éboueur, Lance Abdoul est là avec nous. Ah, il est lui-même, il est là. Aïe, Pimpin. Aïe, Pimpin. Mon frère. Vraiment, tu vas? Sa tête me ressemble à Pimpin. Allez, tiens. Assieds-toi. Assieds-toi un peu. Merci. Tu vas nous dire un peu comment ça s'est passé, le retour au quartier après l'émission? Vous m'avez dépassé, une véritable star. Oui, mon bouquin. Oui, oui, oui. Ça le bim est sorti. Il est en l'air comme ça. Ah, il est en l'air. Eh bien, grand frère, on n'a pas eu beaucoup, hein. Ouais. Mais on a eu un peu beaucoup. Merci. Donc, on te remet la petite enveloppe. Merci. C'était pour quoi même? C'était pour le soutenir. Merci. Parce que son histoire, M. Lance est un artiste du groupe Black System. Black East Tam Tam, à l'époque. Et Black East Tam Tam, tellement je suis habitué. Tellement je suis habitué même à micro, même là. J'ai pris le micro dans la main du monsieur. Black East Tam Tam. Et puis après, la galère a frappé. Mmh. Donc, il est devenu éboueur. Il n'a pas abandonné, il est devenu éboueur. Donc, il est passé à l'émission. Et franchement... C'est-à-dire, au lieu de se donner à la drogue, de tout abandonner, il a continué de travailler. Oui. Et aujourd'hui, quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Mon plus grand rêve, c'est de... Parle dans le micro. Mon plus grand rêve, c'est de... d'améliorer ma petite boîte. Quelle boîte? Ma structure de ramasseur d'ordures. Et puis... Il vous faut quoi exactement? Il me faut au moins deux tricycles. De quoi? Deux tricycles. Ça coûte combien un tricycle? 1 million et quelques. 1 million et quelques. Oui. Le prix exact? 1 600 000. Le 5 janvier, tu viens à mon bureau, je te l'offre. Merci. La fille, là, depuis que je suis arrivée, elle ne s'élève pas trop. Hein. Je connais ton visage un peu. Hein. Viens au fond, je me elle a tourné sa tête même. Les gens se ressemblent un peu. Tu n'es pas Annie. Tu es quoi? Tu es Atié, c'est la même chose. La même chose, là. Annie Atié. Merci. Là, fait d'argent. Le général, non, c'est merci. Bouclé. C'est bouclé le parce que je vois en lui quelqu'un qui veut... Le 5 janvier. Merci. Le 5 janvier, tu viens à mon bureau. Okay. Tu es en contact avec Ivy. Hein, toujours, oui. Toujours. Tu viens à mon bureau simplement et devant tout le monde, je vais te remercier. Franchement, on est toujours en contact. On s'écrit, on se parle. C'est devenu mon grand frère. Et je suis fière de lui. Grand frère, je suis fière de toi. Je suis fière d'avoir fait ta connaissance, en merci, tout cas. Merci, merci, merci. Et Coco, ta femme, Paulette. Elle est là-haut. On la salue. Ce que j'aimerais savoir... Avec ce... T'as dit quoi? Tricycle. Si tu as ça, oui. Tu peux bien faire le travail. Bien sûr. Je t'en peux rentrer. Bien sûr. C'est bouclé. Bien sûr. Merci.
Tu sais, Ivy, un véritable influenceur n'est pas celui qui parle sur les réseaux sociaux. C'est pas un influenceur, c'est un parleur. L'influenceur, c'est celui qui est capable de changer la vie. Et aujourd'hui, nous avons une chaîne comme NCI qui est en train de changer des choses, que ce soit en matière d'information, en matière de débat de telle chaîne. Il faut que nous, qui sommes les véritables influenceurs et acteurs des réseaux sociaux, on puisse les pousser. C'est important. Et aujourd'hui, c'est grâce à NCI que je peux rencontrer ce monsieur-là. À regarder dans ses yeux, vous n'avez pas le bonheur qu'il a d'apprendre une telle nouvelle. Je ne suis pas de ceux qui disent, je suis de ceux qui font. Parce que chaque mois, nous avons une émission, ma vie a changé. Et nous mettons un budget de 1 à 2 millions. Chaque mois, c'est le sacrifice qu'au nom de la fondation de ma femme, nous avons décidé de faire. Et en janvier, c'est vous qui serez la première personne pour l'année 2022. Amen. Merci le général. Merci, merci, merci. Merci, je suis très contente. S'il vous plaît, la dernière fois quand je suis passé, je n'ai pas eu le temps de remercier Mme Ivy Diro, que vous êtes, et surtout M. Élisée Dengui. Peut-être vous ne le savez pas, moi j'ai ramassé les ordures de M. Élisée Dengui à l'époque. Et il a été dans mon staff maladirat quand j'étais au groupe Black Islam Tam. Voilà. Ah bon? Oui. Oui, il était au départ de ma carrière. Aujourd'hui, il est au départ aussi de ma galère qui est en train de finir. Et je vous dis merci beaucoup. Et merci surtout à M. Makoso. Je vous vois pour la première fois. Merci. Merci à l'équipe de NCI. Du plus petit employé jusqu'à... À la tête. À la tête. Amen. Merci. Amen. Infiniment merci. Alors, merci Lance, tu vas nous écouter. Merci, merci. Merci, merci, merci. Vous voyez, c'est stop. Tout ça. Faut pas ça nous dire que l'émission est en train de finir. C'est maintenant que ça devient doux. C'est maintenant que l'émission est en train de devenir intéressante. L'émission avait fini. Oh. C'est ça, moi, qui me fait mal. Je veux me battre la saison prochaine. Là, on doit faire au moins 1h30, 1h30. Bien sûr. Ça, là, moi, je veux voir. Mais il y a les vrais Congos, il y a les vrais mouvements. Non, c'est 1h30, non. Mais on doit faire au moins 2h. Moi, je veux voir le DG, M. Ange Guéhi. Applaudissez pour lui. Saison 2 de Ivy Diro Show, là, monsieur le DG, passons à 2 heures. Passons à 2 heures. Et puis, les sponsors, vous attendez quoi? C'est l'émission qui mousse en ce moment. Venez, c'est la visibilité. Ou bien? Toi-même, ça, c'est la maman qui est là comme ça. L'élève est tombé avec toi. Papa. Yes. C'est Noël. Qu'est-ce que tu as réservé pour ta fille que je suis? Oh! Ah, mon papa, yeah, voici Noël qui est là. Habit même, il est porté là, c'est pas pour moi. Ivy. Je suis là comme ça. Moi-même qui ai inventé la chose, tu me mets dedans. Pardonnez, mettez un son hier danser pour mon papa. Le son Bokoko, là, c'est son son préféré. C'est son son préféré, Bokoko de Roga Roga, là. Ah non, mettez ça, c'est ça. Mon son. Hé, hey, mettez. Concours de danse. Non, non. Non, non, pas du concours de danse. C'est fini. Ils ont coupé. C'est fini. La musique était coupée. C'est fini. Ça a coupé. C'est fini. Oh. On dit c'est fini. Ok. C'est fini. On dirait qu'il y a aussi qui est tombé dans mon dos. Non, c'est fini. On enlève. Toi, toi était mis là-bas. Bon. Moi, je ne sais pas si j'ai diminué dans mon argent. Ça, ça veut dire c'est quel genre de public, ça? Ouh, non, non, non. La vie qui est là. Hé! Hey!
Quand tu vois les billets comme ça, oh Seigneur. Vrai. Père. Père, je glorifie ton nom ce soir. Dis amen. Si tu... Dis amen. Amen. Oh Papa Yahweh. Merci pour la vie de ton fils, Makoso Camille. Dites amen. Dites amen. L'émission où les invités travaillent sur l'animatrice. Non, non, non. Et puis elle s'est comptée là. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Non, Seigneur. Faut mettre, faut oindre d'huile sa tête. Et que sa coupe déborde. Amen. Qu'il ait une vieillesse heureuse et vigoureuse. Amen. Amen. Surtout le côté vigoureux. Voilà. Ah, mes étoiles. Il y a un artiste là. On dit qu'il vit en France. Mmh. Oui, oui, oui. On dit qu'il est congolais. Ah. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. À chaque fois qu'il veut chanter, il cite le nom de deux personnes. Zézé et puis Hohoa. Je dis un jour, je le vois, je vais lui demander qui est Zézé, qui est Hohoa là. Qu'ils nous disent, peut-être qu'il fait un featuring avec eux, puis on ne les voit pas. Ou bien peut-être ce sont des milliardaires qui nous disent, nous, si on va dire leur nom, ils vont nous donner l'argent. Applaudissez pour Daniel. Oui. Tu as un micro, d'accord, donne-moi. Parce que... Hey. Hey, c'est comme ça que tu es jolie. Parce que non, ici, là, moi, je ne vous vois pas. Hein. Mm-hmm. C'est comme... Non, non, je ne vous vois pas. Moi, je te tutoie en même temps. On se connaît il y a longtemps. Oui, il faut. Hey. C'est comme ça que tu es jolie. Et puis, choco bien. Je te dis. On sent que le Seigneur bénit ce tombe. Tu es jolie dès... Tu es beau même. Il faut te calmer. Toi, tu es le fils de Juna, ton papa, là. Juna Janana. Juna Janana, là, non. Tu es jolie enfant, hein? Vous êtes très belle aussi. Hein. Ah! Je m'avais tombé! Donc, c'est quand tu es venu quand? Hier. Hier. Hier soir. Tu connais ici déjà, non? Quand même. Et tu as mangé déjà à Loco, tout ça, tu connais? Déjà, depuis. Tu connais. Et tu as eu une chérie ici. Ah non, toi tu es mariée, non? Tu as des jolis enfants là. Tu as une fille là, jolie là. Une fille, un garçon. Si, si. Et le garçon tout dernièrement. Mais tes enfants, tu caches leur figure là, non? Ouais, c'est ça. Si, si. Bienvenue ici, on te suit. On te suit, on t'aime encore d'Ivoire. Merci. Mais qui est Zézé et puis Hohoa là? C'est qui? Zézé, c'est un beatmaker, celui qui compose les instruments. Il existe vraiment. Il existe vraiment. Il s'appelle Zézé. Mais comme moi, à chaque fois que je fais une instru avec lui... Faut dire, ouais. Comme à chaque fois que je fais une instru avec lui, je dis pas vraiment son nom, Sei Sei. Mm-hmm. Moi, je mâche mes mots. Tu dis comment? Sei Sei. Maintenant, Hohoa, là, ça, c'est qui? Hein? Parce que Hohoa, là, chez les Camerounais, quand on dit Hohoa, ça veut dire je parle Hohoa. Ça veut dire je parle et puis j'affirme. Hohoa. Ah même bon? Toi, ton Hohoa, là, c'est qui? Déjà, ça peut être ça aussi. Mais en fait, c'est venu d'une blague, c'est venu de n'importe quoi. J'étais au studio et j'étais en train de composer plusieurs sons. Et à chaque fois, comme je ne trouvais pas les paroles, je commençais toujours par « Oh, oh, ah, oh, oh, ah. » Et après, je partais sur mes trucs. Et après, c'est resté. Depuis, c'est resté. Vous, là, calmez-vous. Et sinon, tout le monde a... là, c'est pas quelqu'un. Non, c'est pas quelqu'un. Non, c'est pas quelqu'un. C'est son chai, quoi. Ah, d'accord, OK. Et là, c'est là aussi. Donc, tu es là pour quoi? Pour concerts, deux concerts. Pour deux concerts. Deux gros concerts. Quand? Ouais. Demain et après-demain. Demain, samedi et dimanche. Exactement. Evie, c'est lui, monsieur Dadjou, là. C'est lui qui est là-haut. C'est à cause de vous, mes filles sont en train de me menacer à la maison? Non. C'est lui qui est là. C'est lui. À cause de vous, mes filles me menacent. Quand si elles ne vont pas au concert de Dadjou, elles n'auront pas le bac, elles ne vont plus à l'école. C'est à cause de vous? Mais non. Merci, monsieur. Demain, le concert a lieu à l'Ivoire, mais de l'autre côté, là-bas. Uh-huh. Et puis le 26, dans la salle VIP.
Elle dit, papa, on est dans les deux. Donc j'ai déjà pris mes tickets, monsieur. Je suis là. C'est le général Maposo. Il faut l'applaudir, on a un vrai papa ici. C'est le général de la Mamba et en Côte d'Ivoire, c'est un serviteur de Dieu. Mm-hmm. Mais très puissant, très connu. D'accord. Oui, oui, oui. C'est une chance même que tu as même actuellement de le croiser. Mm. Oui, oui, oui. Il pourrait annuler le concert. Non, il peut. Non, parce que le jour... Il peut annuler. Il peut annuler. Voilà. Non, donc, parce que le jour, il y a un bambam sur toi. Tu connais un bambam? Bambam, c'est quoi? Il y a un problème. Si tu es en Côte d'Ivoire ici. Okay. Tu n'as pas vu les bambam de Fali? C'est lui qui a décanté. Il y a un problème, c'est Fali. C'est Sidiki. On appelle le général. D'accord. Donc, voilà. C'est moi, je peux parler à ta place. Et puis faire taire tes ennemis. Voilà, mais quand ça. Je te vois, je vois un bosseur. Merci. Un homme qui veut aller loin. Merci. Qui n'est pas dans les détails. Merci. Qui est toujours concentré. Merci. Un homme comme ça, la nation doit le soutenir. Merci. Nous sommes avec toi. Ici, en Côte d'Ivoire, là. En Côte d'Ivoire, ici, là. La meilleure animatrice, la meilleure émission, là. C'est qui? C'est ça. C'est ça. Mais non, quand tu n'es pas marié. Non, il est marié. En cas de trouver une petite ivoirienne. Non, il a déjà. Il est prêt. C'est un Congolais, non? Il est prêt. Chez eux, il peut vendre. Donc, mes étoiles, on a Dadju. Dadju. Sopalin. On a Dadju. Le fils de Juna. Janana. Janana. J'aime trop son papa, là. Ça, c'est ça qui est... C'est ma catégorie. Donc, son concert demain et dimanche. Ne versez pas ma figure par terre. Allez remplir le coin. Jouez-vous les fans qui pleurent. Vous voyez les fans qui voient l'artiste et puis... qui tombent en syncope, là. Allez tomber là-bas. Versez-vous là-bas. Ambulance doit vous ramasser pour aller à la maison. C'est ambulance qui doit vous prendre... Tomber là-bas, pleurer comme dans les concerts des stars américaines, là, parce que c'est notre star qui est là. Ouais. On n'a pas beaucoup de noirs qui percent comme ça. Mm-hmm. Donc, quand Dieu nous donne les 1-1 noirs qui percent comme ça mondialement, on doit être derrière eux comme ça. Donc, soyez derrière votre frère Dadju. Dadju, là, il n'est pas congolais. Oh. Il n'est plus congolais, il n'appartient plus au Congo. Il appartient à toute l'Afrique. Ouais. Donc, c'est notre frère, c'est notre enfant, c'est notre neveu, c'est notre grand-père qui est assis comme ça, là, là, comme ça. Donc, demain, samedi et dimanche, on s'en va là-bas comme ça. Pardonnez. Est-ce que tu pourras terminer l'émission? Non, je vais terminer. Le lieu, l'heure. Alors demain, 14h à l'Ivoire. Hôtel Ivoire. Hôtel Ivoire. Il y a un coin à côté là. Mm-hmm. C'est la salle, là, j'oublie. Mm-hmm. Quoi, la patinoire. C'est à 14h. Voilà, vers la patinoire. Là. Exactement. Et le dimanche? Dimanche au Sofitel. Sofitel. Le ticket n'est pas cher. L'autre côté, quoi, c'est 10 000, 20 000. Mm-hmm. T'as dit même un enfant de Yopougon peut descendre. Ils n'ont jamais vu Hôtel Ivoire. Ivoire Golf Club. Il y a Ivoire Golf Club. Ah non, c'est Ivoire Golf Club. Qui est samedi. Et puis Sofitel le dimanche. Et puis Sofitel le dimanche. D'accord. Mais là-bas, c'est 50 000 et puis 100 000. C'est comme zéro. Tu sais, en fait, je vais t'expliquer une mamaille. Il y a des femmes qui veulent rencontrer des bonnes personnes. Elle est jolie, mais elle habite à Popo. Dans l'art de la mamaille, tu sacrifies tes 100 000. Tu prends un ticket, viens, puis tu viens t'asseoir. Tu ne sais pas qui peut être ton voisin. C'est donc bonjour, bonsoir. Regarde, mes étoiles. Tout à l'heure, je sais, pour la conjugaison, vous avez dû dire, mais elle n'a pas donné la réponse. La réponse, c'est que ça n'existe pas. On ne conjugue pas le verbe pouvoir à l'impératif. Et gardez la fin. Il vient d'être une menteuse. Non. Voilà, c'est une grande menteuse. J'ai rien mis. Alors, mes étoiles, je vous souhaite un excellent... Quoi? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Un excellent joyeux Noël. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire un excellent joyeux Noël. Et sortez couverts. Gros bisous aux enfants qui me suivent, à toutes ces étoiles qui brillent dans le ciel. On vous aime. On se donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure. 20h15. Moi aussi, j'ai fait la France. Ouais. 20h15.
RCI, la chaîne étoilée. C'était le Ividoro Show. On va se laisser avec Dadju qui va nous fredonner un petit truc. Zay zay, oh. Yeah. Ma chérie fait des valises, on va quitter la street. J'ai fait du bénéfice qu'on va investir en Afrique. Parce que c'est d'abord la salle, aujourd'hui je dis Dieu merci. Je vais pas rêver la carte de crédit qui est magique. Oh, ah, zé, zé.